Thank you.
fil info de la matinale de ce vendredi 29 mars 2024, chers amis, bonjour. Alors, du côté du ministère du Commerce, ça commence à bouger. Le directeur de la répression des fraudes est sorti de sa tanière dans un discours plus que timide pour demander l'application stricte de la circulaire prise par le ministre du Commerce, M. Claude-Alphonse Sibou. Nous allons développer ces éléments dans la matinale. De la prison à la présidence, les choses s'installent petit à petit, mais sûrement du côté du Sénégal, où monsieur, le nouveau président de la République, monsieur Bassirou, accompagné de Ousmane Sonko, a rendu une visite de courtoisie auprès de Macky Sall, le président sortant. Benita Lava Pang, et lorsqu'on parle de démocratie, on parle aussi de l'amour du prochain. Benita Lakouso, Mambo Melouta pour le développement de la matinale, place à la matinale. Alors les amis, c'est un réel plaisir de vous retrouver ce vendredi, c'est toujours le meilleur jour de la semaine parce que le vendredi annonce un week-end et encore pas n'importe lequel, un long week-end parce que nous allons bénéficier du lundi de Pâques, Betke Zonza, Awa, Boubiaï, après Betke Plongé dans Week-end, Yahinda, Betke Pema. Donc c'est toujours un réel plaisir de se retrouver, même si on est fatigué, on aura la force puisque on sait qu'on va récupérer 3 jours Yakeming et Ali Ebélé. Donc, c'est un réel plaisir. Donc, ce que je vais vous demander, l'exercice que vous savez faire mieux que moi, je suppose, c'est de partager la vidéo. Pour partager la vidéo, prenons 2 minutes. Kaka, 2 minutes. Pour partager la vidéo, tout zongawa, pour que tout ça là maintenant. Et monsieur l'abissu, à mon collègue, alors, on y va. Donc, moi, c'est ce que je suis en train de faire. OK. Ça. Voilà. Moi, je crois que moi, j'ai fini. Ce binôme aussi, cité Talbin. Bon, moi, j'ai fini. J'ai fait mon exercice. Voilà. Bon, enfin, l'exercice, c'est du départ. Alors, on va se dire bonjour quand même. Ah oui. Alors, aujourd'hui, elle est Mabanga. Et elle est Mabanga aujourd'hui, n'en déplaise à certains qui pensent qu'il ne faut pas faire les Mabanga. Il faut appeler ça Mabanga. Oh, ah, mais le sacre. Mabanga, là, si on ne fait pas les Mabanga, c'est grave. Les mabanga là, il faut faire des mabanga. Hein? Ingi Kevin là, ya ou donc on va barba me prononcer. Mabanga. Mabanga, il faut pas blaguer avec le mabanga. Le mabanga, c'est quelque chose. Mabanga. Alors, Baninga, vraiment, là, moi je sais pas quoi. On va commencer notre émission, les amis. On va commencer notre bande d'émission. Ça fait plaisir de bon matin comme ça. Lorsque tu te rends compte qu'il y a des gens qui vous aiment, ça fait toujours plaisir. Topé ça ma banga, surtout ça ma banga, c'est compliqué là. Fidèle, ah ben oui, Fidèle Yafé, bonjour à toi, Fidèle Yafé. Fidèle Yafé, je n'ai pas trouvé la carte. Ouais, côté à qui? Fongé Félix Mono carte. Hein, Fidèle. Fongé Félix Mono carte. Panga Mounkena Koukouilaka, je vais être là-bas. Koukouin. Ovino Boyokinengwana, après, Bokomo Louatino Bokono Salangayi, Mbuska, du coup, Nanakeni, avec mes boulons, mes gardes du corps.
Alors, c'est quoi ça? Ça veut dire quoi? Pourquoi vous voulez maintenant imposer ma vie là, la couvente na salé non côté? Ça veut dire quoi? On se dit bonjour, les amis. On se dit bonjour. Bon pesa na baninga na binombote, les amis. Dites bonjour à vos amis parce que c'est très important. La vie ne tient qu'à un fil, na ibisibino. La vie ne tient qu'à un fil, les amis, je vous dis. Bon pesa na bambote, bon pesa na bambote. C'est très important dans la vie. C'est très, très important. Hein, dites-vous bonjour, c'est très important. Prouvez votre amour. Soyez ces hommes-là et ces femmes qui s'aiment. Bonjour à toi, mon très cher ami Karl Assoua. Lorsque je vois, je suis content. Ouais, je ne le connais même pas. Mais son amoniana, c'est Wezungaï. Et c'est bizarre, vous voyez, Brel Bouka. Bonjour à toi. Ah ben tiens, même Brel Bouka, il rejoint l'équipe de la matinée. C'est bien ça, la famille. Flavien Guimi, bonjour à toi, Patrick Issomba, Patrick Ebézé. Recevez le bonjour du camp de Courbevoie. Goré Matimona, Jidassi. Patience Chitemo Chikaya, bonjour à toi Julie Kael Mwanda, Jacques Nzendolo, recevez le bonjour du comte de Courbevoie, Hélène Moukouyou, Benignon Suna, Christian Otoli, Boguzoua Mbote à comte de Courbevoie, Jean-Raoul MB, Magloire Mafimba, bonjour à toi aussi, Odilor, Odilor Manigo, bonjour à toi, Aubin Roland Armel Nkodia, bonjour à toi, Annie Claude Chitemo, recevez le bonjour du comte de Courbevoie, Yaya Makapache, bonjour à toi, Patrick Somba, bonjour à toi. Oh les amis, c'est un réel plaisir. Aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui le 29 mars 2024, Alinga, Blaise Jigé, une soirée, bonjour à toi aussi. Alors, bonjour Aristide Bouiti, bonjour à toi aussi. Rocalidé, le duc de Majingo, reçoit le bonjour du comte de Courbevoie. Philippe Assopia, Nabisso, Botenayo, Franck Anani, le bon Montoya, Londres, bonjour à toi. Patrick André, Serge Makaba, le maire de Confort Saint-Honorine, reçoit le bonjour du comte de Courbevoie. Gustave le grand Pinochet, bonjour à toi. Nagigi Kikunga, bonjour à toi. Bonjour, Baninga. Ah, bon, vous êtes très nombreux. Alors, Betkwente, Betkwente, la Bayina, mais Pespeto, Ambote, déjà, me coutant. Alors, coucou, Georgette Opportune, Erwin Zouzi. Alors, Emar Bam, bonjour. Alison Kali, Serge Bayena, Jean-François Nzaba, Josémi Loubaki, reçoit le bonjour du comte de Courbevoie. Gilias, bon, voilà, bonjour à toi. Bora Bene, bonjour à toi aussi. Nadège Nombo, bonjour à toi aussi. Abapangamoun, William Fila, Emmanuel Méry, Franck Da Silva, recevez le bonjour du comte de Courbevoie. Alors, Jean-Richard Ngombi, Ferdinand Passipamba, bonjour à toi. Steve Berlusconi, bonjour à toi. Parfait Venon, Zakouloulou, bonjour à toi. Baninga, sommet de l'île Malaya, bonjour à toi. Jean-Richard Ngombi, Mimambanda, bon, Parfait Mego, bonjour à toi. Bonjour à David, bonjour à toi. Christian Kouassi, bonjour à toi aussi. Baninga, Kiki Bouki, Arsène Bakana, Franck Dassiva, Rachel, bonjour à toi aussi. Papa Soukri Ampouya, reçois le bonjour du comte de Courbevoie. Jean-Claude Mapouka, bonjour à toi aussi. Dina Dorcas, bonjour. Françoise Bouéloussa, bonjour à toi. Jérémy Kibi, recevez le bonjour du comte de Courbevoie. Alors, Baninga, Jacques Salambazi, Alain Bonda, bonjour à toi. Alors, Diemo Maria Delaïde, bonjour à toi aussi. Godéfil, et Bakula Maleka, bonjour à toi aussi. Rock le Prince, bonjour à toi. Moissi Kitoko, bonjour. Jean-Baptiste Fiesalankobo, reçoit le bonjour du comte de Courbevoie. Adrien Nzokolo, alors Baninga, Yakemensai. Oh oui, c'est un réel plaisir. Alors Baninga, l'être fait ça, Saint-Clair Nieré, bonjour, j'ai trouvé le passé. Alors, Mocha Beno, côté Benkele, Graceline John, bonjour à toi aussi. Tikaya Nonga, bonjour à toi. Baninga, bonjour à Gervais Ruffin, bonjour à toi aussi. Bonjour à Akete Premier, bonjour à toi. Dani Amoki Benga, bonjour. Christian Souza, bonjour. Bonjour à vous, les amis. Bonjour, les amis. Alain Makaya, bonjour à toi. Kevin Zondo, bonjour à toi aussi. Mien Banda, bonjour à toi aussi. Francine Miakonda, recevez le bonjour du comte de Courbevoie, Baninga. Le duc de Gomboma, Robert Célestin Mamouli, bonjour à toi. Léon Chilbritis, Mbotiangé, David Malonga, bonjour à toi. Bataza Baoumina, bonjour. Bonjour Baninga, Mbotiabene Pierre Makoudi, alors Paul Bazoukoula, bonjour à toi aussi. Baninga, Bet Pesana Mbote, dites, recevez les autres qui sont venus, qui se joignent à nous Baninga, et allez c'est Mbote, allez c'est Mbote, voilà, il faut leur dire bonjour, soyez les bienvenus. Guillermo, bonjour à toi. Obaïa Sika, Clarisse Mousse, Osobo Monépe, d'habitude à Zalakate, à Zalaka, à Yite, Bobengaï, Bolobanaï, nous sommes là et nous t'aimons, nous voulons que vous soyez là toujours avec nous. Ursule, bonjour à toi aussi. Alors Baninga, alors, Bruno Mayala, reçoit le bonjour du comte de Courbevoie, Badigalaga. Jean-Paul Boza Bokazulu, bonjour à toi. Bruno Mayala, Joséphine Bansimba, Luc Bakana, recevez le bonjour du comte de Courbevoie, Baniga, Ben Nyons, Patrice
Malunda, bonjour à toi aussi. Ursula Raissa opéré, oui. Bonjour à toi, Olga Chumé, on a dit déjà. Alors, Vaniga, Yakelensai, Marie-Thérèse Babakana, Christian Otoli, on a déjà dit, Vaniga, Guy Elfis, Anissé, Sita, bonjour à vous. Floreliane WM, bonjour à toi. Martial Mabongo, recevez le bonjour du comte de Courbevoie, Vaniga. Olivier Mwanga, bonjour. Ah, les amis, je vais aller. Du coup, Evra Longo, reçoit aussi le bonjour du comte de Courbevoie. KBD Emmanuel, bonjour à toi aussi. Jaf Lokweta, reçois le bonjour du camp de Courbevoie. Alors, Steve Berchkone, pourquoi on ne dit pas bonjour? Il est où le pleureur de la voiture? Le président de tous les Atalas du Parti Congolais Travail. Di Edgar Bokilo, bonjour à toi. Rejoins-nous, Okimani. Yakawa, Okima, Osa, Pierrette Mbongonzale, bonjour à toi aussi. Fortuné Bassangatala, reçois le bonjour du camp de Courbevoie. Les amis, nous allons faire un tour du côté de Pointe-Noire. Nous allons partir du côté de Timamba. Je vais aller chercher ici. Donnez-moi 2 secondes. Parce qu'il y a des gens qui nous aiment, Baninga. Alors, Betke Pesambote na Mama Charlotte. Ah, na côté à Timamba Kuna. Mama Charlotte, Betna Pesange Mbote. Alors. Yankina ki lengi mingi, yandia ki suivre la matinale, na la femme de ménage Rachel, Imre Josa, maman Charlotte, il faut matisse sa salaire, ya maman Rachel au pire 150 000 francs par mois, inga na zo sengaka. Bango batala ka la matinale, na kacha cuisine, na cuisine. Vous savez, la cuisine a une valeur, la cuisine. Obino no baka la cuisine, oh, il est dans sa cuisine. Eh, papa, yamou. Lorsque vous aménagez dans une maison, la première pièce la inzoïne baka aménagé que y a tété, elle s'appelle la cuisine. N'oubliez pas, un jour, son boko sala aménagé, bozuna kwa sika, et loko yali boso wa bourisaka, ezali cuisine. Salon ezalango bien théo, chambre ezala bien théo, sa de bez ala soki denge nidio, et loko yali boso wa bourisaka, ba benga kango ho, cuisine. Passe ni kuna ba lambaka, ni kuna ba kamotu ezalaka. Nikuna bokome la maille, nikuna makamonyo sotu esa manakacha cuisine. Cuisine, c'est le lieu de rencontre de tout le monde. Là où vous êtes même dans une maison, même ceux qui vous soignent, ceux qui vous soignent, ni na cuisine, kuna, vous, la jonction, c'est-à-dire, ni abo kutanaka, abo lobaka, abo sa makamonyo. On appelle ça la pièce de vie. C'est la cuisine. Dans la cuisine, c'est une pièce principale. C'est la pièce principale dans une maison, les amis. N'oubliez pas ça. Donc, lorsque je vois maman Charlotte, Yann Rachel, Bakitaraka, Beto, Nakacha, cuisine à bas, on a côté à Timbaba. Bonjour à toi, maman Charlotte. Et aussi, maman Charlotte, Narachel, Benosuna, Benoukouzo, Mbote, le compte de Courbevoie. Alors, t'as sollicité. Ah non, on va encore se dire bonjour quand même. Non, bon, ben tu nous t'as, parce que l'heure que la Kouenamba, vous êtes aussi intolérant. Vous êtes très intolérant. Hein, vous êtes moins, vous êtes devenu vraiment même personne à faire la beauté. Alors Vaninga, Sam Salamonontarin quoi, bonjour Sien, bonjour à toi aussi Justin Rissi, Patrick Moutou, Guy Roger Nkuka, bonjour Judel Nkuka, Alvin Degenis, Justin Régis Nkunga, bonjour à toi Isabelle Mavungo, recevra aussi le bonjour du compte de Courbevoie. Alors Vaninga, ton Salambango. Alias Dick Kondo, bonjour à toi aussi, Rodney Boss, bonjour Basile Autour, bonjour Rodney Boss. Alors, moi, c'est Kito, ça, on a déjà dit Jean-Pierre Léco aussi, Alébinon Guyama, Bédé Pesdo aussi, déjà Mbotengue. Alors, Juju Mikilis, ah la Juju Mikilis, Gertrude Mpassi, bonjour à toi. Alors, Freddy Chitembo, mais les Chitembo là, vous êtes nombreux. Oh, et dans la matinée, il y a Chitembo, il y a hein? Ils sont nombreux, les Chitembo. Bon, les amis. Donc, il y a un côté à la régie, qu'on a mis de quoi, tout mettre jingle parce que mettre qu'on a pas d'information, mettre qu'on peut savoir le bouillon. La régie, s'il vous plaît. Bon, les amis, nous allons commencer par des nouvelles écologiques. Malheureusement, nous avons quelques nouvelles écologiques à vous donner aujourd'hui pour la journée d'aujourd'hui. Mettez quoi à côté à la régie Kuna. Nous avons quelques informations écologiques à vous donner. Alors, les informations écologiques vont nous amener aujourd'hui. Nous avons une information écologique qui concerne la Maryse Kunatila. C'est là qui nous a quittés. Mettez à côté à la régie si pas qu'il est déjà prêt. Vous pouvez savoir que personne n'a pas d'informations. Alors, la Maryse Kunatila qui nous a quitté.
communiqué nécrologique, les amis, Madame Aline Mireille Gertrude Monzo et toute la famille Masomba et Kouatila. Ah ouais, c'est Kouatila et non Kounatila. Et Kouatila. Ainsi que l'ensemble de la famille ont la très grande douleur de vous annoncer le décès tragique de leur fille, sœur, nièce, Kouatila Lamarise, âgée de 44 ans, décès survenu le 13 mars 2024 au centre hospitalier universitaire de Brazzaville des suites d'une courte maladie. La veille mortuaire se tient dans la rue Djambala, numéro 3, au quartier Plateau des 15. L'inhumation est fixée à la date du mardi 2 avril 2024, conformément à l'organisation en cours. Avec tous nos remerciements, Aline Mireille Gertrude Monjo. Donc, l'équipe de la matinale présente ses condoléances à la famille éprouvée et que vraiment nous allons soutenir Baou avant d'aller en gros pendant cette lourde et difficile épreuve. Donc, va en paix, la Marise Kouatila. Alors, l'Epte Manissa, dans la Marise Kouatila et Kouatila, nous avons la profonde aujourd'hui nouvelle de vous donner le décès de Mikamona Thomas Gloubé, Bétetala d'un côté. À la régie, si la régie a déjà pris en compte, elle demande à Beto, la famille, Mikamona et enfants, Betruntala, si la régie, oui, la régie elle est déjà en place. Communiqué, la famille Mikamona et enfants informe les parents, amis et connaissances du décès de leur père, le nommé Thomas Mikamona dit Goblet. Décès survenu le 19 mars 2024 en France, de suite d'une maladie. Alors, voici le programme des obsèques. Au Congo, en France, ici, une veillée aura lieu ce vendredi, aujourd'hui, 29 mars 2024, au 16 avenue Louise Michel, 77 100 Nanteuil, les Maux, de 21h à l'aube. Mise en bière, le 2 avril 2024 à 12h. Fermeture du cercueil et départ, 14h30. Funéranium de Vitaneuse, 95 rue Marcel Seba, 93 340 Vitaneuse. Alors le programme du côté du Congo Brazzaville, la dépouille mortelle arrive le mercredi 3 avril 2024 à Brazzaville. La veille mortuaire se tient à son domicile 224 rue Émile Combes, case de Gaulle, Bakongo. L'enterrement aura lieu le 4 avril 2024 au cimetière de Luigi dans le département du Pou. Alors pour tout contact, vous pouvez contacter M. Jean-René Mikamona au 06 51 49 55 56. Jean-Michel Mikamona au 06 50 28 45 01. Paix à son âme. Alors, donc, il y a Papa Betoué Bikabeto, M. Mikamona Thomas Koblé. Il y a Papa Bokéa de Koblé. Il y a du moins surnom. Il y a Mbappé Sakayadi. Alors, il est né en 1936. En 2024, il nous a quittés. Alors, nous présentons nos condoléances à la famille éprouvée. Et il y a un programme, Mame Pesabedo, il y a Obsèque Kessala. Donc, la veillée, aujourd'hui, le 29 mars, ici en France, il y a une veillée qui est organisée. Alors, au numéro 16, avenue Louise Michel, dans le 77 100 000, Nanteuil les Maux, de 21h à l'aube. Donc, il y a Betoué Malissa, il y a Papa Betoué Kamona, Betoué Tala. Nous avons aussi d'autres informations écologiques. Voilà, nous allons maintenant aussi vous donner les nouvelles, le programme, informations concernant la famille Nganga. Et que de la régie, si la famille Nganga et la régie est en place déjà, donc on peut s'appeler des informations à la famille Nganga. Alors, du côté de la famille Nganga, donc nous avons une nouvelle écologique aussi à vous donner, la famille Nganga. Maître Bernard Amédée Nganga Imbenio Sozaba vous annonce le décès de sa mère. Maître Tala, à côté de la régie, en attendant que Batouloua et les Mondiaux sont en place. Voilà. Alors, Maître Bernard Amédée Nganga, que vous connaissez tous sur la place de Paris et encore et plus, beaucoup plus du côté du Congo Brazzaville, vous annonce le décès de sa mère, Madame Hélène Mialundaba. Survenu le 18 mars 2024 à Pointe-Noire, la famille organise une veillée le vendredi 29 mars 2024 à Sévran, c'est-à-dire aujourd'hui, au numéro 4-6 rue Frédéric Julio Curie,
93 270 Sévron Boudot. Pour tout contact, vous pouvez contacter Maître Amédée Ganga au 06 21 52 95 50. Vous pouvez aussi contacter Maître Alain Ganga au 07 79 08 66 47. Sinon, vous pouvez aussi contacter Arlette Lukaku au 06 83 11 34 69. Donc, ceux qui n'ont pas pu avoir, vous pouvez toujours appeler l'équipe de la matinée. Là, vous donnera tous les contacts. Pour, si vous voulez rentrer en contact avec les familles, il y a Mama Hélène Mialoudama, il y a Mibik Bétonné, en 1944, elle est décédée en 2024. Nous présentons nos condoléances à la famille éprouvée. Et bon courage à toi, Maître Amédée Ganga, dans cette lourde et difficile épreuve. Alors, David Manissa, on va aller du côté. Alors, ici, nous avons l'information concernant Papa Nestor Bahanda. Papa Nestor Bahanda, Awa, Betkepe Sabeno, information, Monsieur Bertrand Biandonga. Monsieur Bertrand Biandonga communique à la famille, amis et connaissances le programme suivant relatif au décès du président directeur général Miambanzila Nestor Bahanda. Donc, il y a Kepanga Beto depuis la Guyane Kuna. Son frère, M. Bertrand Biandonga, qui communique à la famille, amis et connaissances, le programme relatif au décès du PDG, Miambanzila Nestor Bahanda. Le programme se présente comme suit. Alors, programme des obsèques en France, le vendredi 29 mars 2024, de 20h à 5h, donc c'est-à-dire aujourd'hui, de 20h à 5h, veillée funèbre et animation traditionnelle. Espace Venise, 30 route de Grolet, Sarcelles, RERD, Pierre Fittestin, puis bus 268, direction Villiers-le-Bel, arrêt Chantepie. Le vendredi 5 avril 2025, de 12h à 15h, recueillement et culte, funérarium et Jean Chérol, de Jean Chérol, 95 rue Marcel Seba à Vitaneuse. Donc, pour y accéder, vous prenez le tram 5, T5, Jean Chérol, ou bus numéro 256, arrêt Jean Chérol, rue de la division Leclerc. 15h30, 17h30, collation fraternelle, espace Venise, 30 route de Grolet, 95200 Sarcelles. Et le dimanche 7 avril 2024, transfert de la dépouille mortelle à Pointe-Noire, Congo. Donc, Nestor Bahanda, Yandia Yamebi Kabitu, lui, il était né le 5 août 1943, il décède le 21 mars 2024, nous présentons nos condoléances à la famille éprouvée. Yaibetwe Malissa, Yapang Yabitu, Papa Abitu, Koko Abitu, Nestor Bahanda, nous avons aussi notre très cher Yaibetwe Pesabé de l'information, Fabien Passy. Donc, nous allons voir du côté de la régie, si la régie, Betul Beto, ben, information, il y a Papa Fabien Passy. Le prétat là, voilà. Alors, le communiqué. Les enfants Passy et famille ont la profonde douleur d'annoncer le décès de leur père, oncle et frère, Passy Fabien, ancien gestionnaire de l'hôpital de Makelekele et ancien gestionnaire des grandes endémies. Décès survenu ce mardi 19 mars 2024 à Brazzaville. La veillée mortuaire se trouve à son domicile, 624 Terre rue Zimbou, quartier Kinsoudi Barrage, non loin du terminus de Barrage. La suite du programme vous sera communiquée ultérieurement. Alors, nous présentons nos condoléances à la famille éprouvée, à tous les enfants Passy et connaissances. Donc, nous n'avons pas que des nouvelles tristes, la Pangamounou, nous avons aussi parfois des bonnes nouvelles. Donc, nous allons maintenant passer à l'anniversaire. Les anniversaires. Donc, Betke Kwen en a côté à la régie, Betke Tala, anniversaire, Yate Teboubia, Betke Fete. Ah bon, on va aller quand même en région parisienne, on va fêter l'anniversaire d'un jeune homme. Le jeune homme, Yaya Betke Fete, anniversaire, Yann, il s'appelle le jeune Adrien. Le jeune Adrien, Yaya Fete, qu'anniversaire, Yann, dit ses parents doivent être très surpris de voir comment le fiston se retrouve dans la matinale. Alors, Adrien, je te souhaite un joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire à toi. Alors, on embrasse papa et maman
et tu demandes aussi à papa et maman de te gâter dans ma cadeau ya ke parce qu'il faut m'appeler sangé. Alors, joyeux anniversaire fiston. Voilà. Et à Betmé Manissa, nous avons aussi un anniversaire les amis. Nous allons partir du côté de Metz. Attendez, je vais quand même prendre mes notes. On va aller du côté de Metz les amis, on va aller du côté de Gertrude Bakra. Nous avons un anniversaire du côté de Metz. Voilà. Alors, Betekwen fêtait anniversaire, il y a Solveig Milandou. Betekwen. Solveig Milandou. Bon, je parle, hein, c'est pas moi qui parle. Hein. C'est ton mari qui envoie le message. Donc, moi, lorsque je parle, je place, parle à la place de ton mari. Moi, Armelon, ton homme, je me joins à Nathan, notre fils, pour souhaiter un joyeux anniversaire à ma très chère épouse et mère Solveig Milandou, depuis la ville de Reims, capitale du Champagne, dans le Kona Champagne qui va Nakamingi. Donc, inutile de préciser, Beno, Bobazana, Bokasinabango, Bozoa, train, soit vous venez à Paris, soit vous venez à Reims, ok, Bobazali, prendre le train comme la voiture. Vous pouvez aller Kona Champagne et Gobima Kona à gogo, les amis. Donc, c'est ce qu'on nous a donné comme information. Joyeux anniversaire à toi, Solveig Milandou, de la part de ton mari, Armelon. Te souhaite un joyeux, joyeux anniversaire. Il se joint à votre fils, Nathan, Barou, Balouana, va souhaiter un joyeux anniversaire. Alors, et à mettre ma salle à l'anniversaire, je crois que c'est tout. Mettre demander dans la régie. Oui, on a fini les anniversaires. Bon, nous avons aussi des informations aussi à vous donner. Des informations One Shuttle. One Shuttle, je vous dis, le conteneur Mekouen déjà. Donc, mettez demander la régie à tout la mettre. Image à conteneur, il y a Mekouen là-dedans. Le conteneur One Shuttle. Le conteneur. Le conteneur. Voilà. De peur du conteneur. Les NAPES à Kabino, ma date de victoire, je vous ai dit le 25 mars, va clôturer le 29 bateau que Kouen, donc Boubia bateau que Kouen. Et là, depuis hier déjà, conteneur ont été créés, ceux qui sont à Bruxelles, ceux qui sont ceux qui sont dans ma port, et qui sont et que les bacs ne retiennent pas le bateau et que les bimes ne couent pas. Il y a même des métal à l'ébac que Zosamambo preuve à l'appui One Shuttle. Donc, le nouveau bateau, je crois, sur la deuxième quinzaine du mois d'avril, je vous donnerai les informations précises en ce qui concerne One Shuttle. Alors, maintenant, c'est venu à One Shuttle. On a aussi une information concernant Paris Colis Express. Si on peut nous mettre les trucs rapidement là, il y a Paris Colis Express. J'ai des bonnes nouvelles pour vous. J'ai des bonnes nouvelles pour Paris Colis Express. Ceux qui veulent envoyer des colis par avion. Là, aujourd'hui, on va ouvrir les envois express. Ah, mais par contre, c'est 25 euros, les amis. Envoi express. Envoyez aujourd'hui au plus tard dimanche, c'est arrivé parce que Air France nous a donné un petit créneau samedi au plus tard dimanche. Bimabène me queda. Mais ça, c'est 25 euros. Voilà. Donc, vous appelez par ce numéro de téléphone rapidement. Hein. Faites vite. N'attendez pas la dernière minute. S'il faut appeler, appelez aujourd'hui. Au plus tard, demain, appelez. Pour ceux qui veulent vraiment, il y a des urgences. Bon, ben, urgence, mais c'est 25 euros. 25 euros et express. Hein, le colis express, c'est 25 euros. Donc, on a urgent au plus tard, lundi, mardi, il faut y avoir comme un Brazzaville. Il peut contacter le numéro de téléphone qui est là parce qu'on a pu avoir un petit espace colis, bah, Pessibiso, d'un côté à Air France, Kuna, et que le colis va partir de façon express. Les colis hebdomadaires, c'est 10 euros. Voilà. Pour les colis hebdomadaires, c'est 10 euros. Bon, ceux qui ont eu leur truc auront aussi peut-être la surprise d'avoir leur colis dès les premiers jours de la semaine prochaine, soit lundi ou plus tard mardi. Sinon, l'avion part, le cargo partira le mardi pour être en possession de vos documents là-bas ou vos colis le jeudi au plus tard. Il y a déjà aussi la distribution a commencé. Les autres, je crois, jusqu'aujourd'hui, et ceux qui sont du côté de Pointe-Noire, ne vous inquiétez pas, vous allez recevoir vos colis. Alors, voilà, ça, c'est les informations que j'avais pour Paris Express Colis. En ce qui concerne l'avion. One Shuttle, le bateau est déjà parti. Et il y aura un autre bateau qui est prévu dans la deuxième quinzaine du mois d'avril. Alors, Baniga, nous avons aussi une information concernant, vous savez, l'environnement. Moi, je suis très, très, comment on appelle ça, membre de l'environnement. Vous savez, il y a des gens qui ont des vocations comme ça, hein, quand il faut suivre.
Vous voyez, moi ici, là, opération zéro déchet plastique. Mais quoi, dans la régie, qu'on a mis tout le monde, tout le monde. Voilà. Zéro déchet plastique, c'est une très bonne opération. Opération, il y a collecte tous les déchets plastiques autour de vous et vendez-les aux équipes Eliti Environnement. Vous êtes méchants, vous, dans la matinale. Bon, vous n'avez pas me dit que parmi vous tous là, vous ne savez pas parler anglais. Et ne pouvez pas m'envoyer un audio pour le Vanagandéry, il m'a prononcé que Eliti Environnement. Là. Voilà. Vous êtes content lorsque je ne sais pas prononcer, ça vous fait plaisir. Alors, vous pouvez me laisser un audio. Non, monsieur Deco, on dit Eliti, je ne sais pas si c'est Eliti Environnement. Bon, laissez tomber, je vais demander à ma fille. Aïbi, on est collègue Abino. Voilà, ça ne sert à rien. Bénéfice, j'arrive à audio, ben biquant. Voilà, ça ne sert à rien parce qu'on ne peut pas compter sur vous. J'ai mes filles, là, elles parlent très bien anglais, là. Je vais voir avec elles. Alors, collectez tous les déchets plastiques autour de vous et vendez-les aux équipes Eliti Environnement, l'Ikamote. Même si aujourd'hui, je ne prononce pas bien, dès lundi, vous allez voir l'accent anglais là-bas sortir, c'est là. Vous allez voir. Non, donc les points d'achat, Yahweh Bampesa, commune de Mugali, commune Amphilo, marché Kewa, Abakongo, esplanade Telenkombo, marché Petite Chose. Ah, il faut mettre ça à Nielé chez moi là-bas, hein, dans la Nikwala. Il faut aller récupérer Babi Mukuna, la côté à Mouetouna, à Nielé Kuna. Non, on a, mais oui, vous êtes surpris, vous êtes bizarre. Même à Nielé là-bas, il y a des trucs là-bas. À Nielé là-bas, il y a des trucs. Voilà. Bon, les amis. Je crois qu'on a fini avec nos informations. On va tout jingle, mettre banda, parce que l'heure que nous prenons, c'est pas. Alors, jingle, papa. Bon, les amis. Mon cas, amis, ça va, non? Je vais commencer par l'émission. Je vais la mettre à la bourse, comme toujours. Je vais la mettre à la bourse. Est-ce que tu perds ma bongo? Est-ce que tu as gagné? Est-ce que ma lobby te rote ka sous bourse? C'est toi qui nous t'as la côté à ma bourse, la bisouana, bongo ke kuna pati. Mais tu as demandé kuna la régie, a ti abiso bourse, bourse à wes abouni, ya abouni kuna. Donc on négocie bourse, ah ben voilà. Bon, ouais. Alors, on est au-dessus des prévisions, deux points au-dessus, deux points. Y'a que migue, hein? Même quand ka point mon kaya libi, bon, on dit point à wes matini kolo. Pratiquement $87 le baril. Ah, Colline, quand même, tu as la chance quand même. On ne peut pas dire que ça ne sont pas chanceux. On ne peut pas dire que ces gens-là ne sont pas. Oh, il y a des gens qui sont bénis comme ça. Malgré même moi, il m'y a pas de à la vie. Mais ils sont bénis. Vous ne comprenez jamais. Bon, moi, la moto, je suis dans la famille. Je suis dans la moto, mais à la chance. Azana Moussala, Azana Moussia qui toque, ou bien mon bal est bien. Azana ma camion surtout. Mais moto, je suis dans la moto, ma bé. C'est comme ça. Il y a des gens qui sont bénis de Dieu comme ça. Gemeta la baouya. Barena sala imbi. Mambunyon soya imbi. Mais Denis, lorsqu'il est là, t'as la pétrole. T'as la mort, ils ont kota. A la tokoyo ma koso. T'as la. Gouvernement ayande. Le gouvernement le plus compétent, c'est la vérité. Yagbe à l'ouvoun. Mais les amis, c'est mon. Ba pang, il est baké salaka. Vous savez, tous les jours, moi, c'est pas tous les jours. Mais on est quand même curieux de regarder ailleurs. Atala, le petit Atal, là, le petit Atal, vous qui avez des problèmes avec les expressions. Voilà, le petit Atal, c'est un petit, petit Atal, un premier ministre de la France. Il y a tous les jours, là, allez sur les réseaux sociaux, mettez-vous sur les critiques, Yann. Parce que, à Dimiko, c'est la première ministre. Mais chaque fois, ma déclaration à ça, la Kakuna, ou Saganati. Atal, là, ou Azon, le Baka, ou Tchakomi, ou Salaba, ma réforme, au Congo, ici, là, la réforme de l'assurance chômage, parce que ça, chaque fois. Là, il va enfin faire encore une autre réforme. Bah, mais la mission va aux osages, réforme, il y a 5-4 jours dans la semaine. Mettre que ça là bientôt, maintenant, il y a que 4 jours dans la semaine. Baniga, aux oyokas. Ça, j'ai lu ça. Moi, je travaille, je suis imprimeur. Moi, j'ai un métier. Voilà. Mais non, moi, la rassure, il a qu'on s'est inventé, pour se vanter qui était, mais non, talibino. Pour se vanter qui était passé aux années, non, quand t'es talibino. Non, là, imprimeur. Moi, j'ai un métier. Voilà. Colline, tu as quoi comme métier? Instituteur. Bon, il y en a un métier. Mais va quand même, il faut le barcard. Métier à Bawik. Ministre, tu as quoi comme métier? Il est élevé. Au directeur de ces situations, c'est quoi ton métier à Yébité? Un métier, t'es. Oh, j'ai un travail. Un travail, c'est rien. C'est le métier. Moi, j'ai un métier, imprimeur. Dans ma maman, je suis à côté à mon coude. Dans ma zone, j'ai vu, il y a un quotidien qu'on fait là-bas. J'ai lu ça, semaine de 4 jours, que ça, maintenant. Maintenant, je la salle, il y a. Comment ça, là, vous? Chaque fois, conseil des ministres, mercredi, il y a il faut, il y a toujours, il y a un conseil des ministres, ça conseille la population.
Parce que c'est la population qui les élise, c'est ce, qui élit tous ces, comment on appelle ça, ces gars-là. Parce que ceux qui population à élire yoté, ces gens-là ne seront jamais. Et puis ici, la population, les élections, bon, tricherie et zanango. Hein? On ne peut pas dire qu'en France, il n'y a pas de tricherie. Oh, parce qu'il n'y a pas une, une société parfaite. Il y en a toujours quelques, mais c'est vraiment à la marge. C'est vraiment à la marge, comme pas comme au Congo. Mais ici, ils savent que s'ils ne travaillent pas bien, il y a un moment, ils vont se présenter devant les électeurs, ils seront sanctionnés. Je vous ai dit, François Hollande a eu la malédiction de demander à Denis Sassou Nguesso de changer la constitution et en plus, s'en est suivi la malédiction. Il y a Mandat, il y a l'Union, il n'a même pas pu se présenter à l'élection présidentielle. Et lui-même, il a jaugé, il a compris, s'il se présente, il allait avoir peut-être 2%. Dans ce droit-là, il ne s'est pas présenté. Donc, il est conscient. Donc, ici, tu travailles bien. Oyebi ko kele devant ba électeur soba ko votio soba ko votio te. Donc au conseil des ministres au na putu ba pangle ba ke baskaka, il y a toujours quelque chose pour la population parce que la population ont été libre bango. Donc ba yebi, il y a toujours une petite dose concernant le peuple parce qu'ils sont là pour servir le peuple et non se servir eux-mêmes. À la grande différence au Congo Brazzaville, les conseils des ministres, c'est le conseil des ministres des projets de loi, des projets de décret, les projets de ceci, donner les permis d'exploitation, il y a Total, donner les ceci, cela, oh, on a dit ceci, quand ma projet, quand ma intention, n'a pas intention, rien sur la population. Mais chaque fois qu'il y a un conseil des ministres, on peut prendre le pari ici, là. Vous allez voir le prochain progrès. Oh, les textes. Oh, j'ai des textes. Celui-là, les textes. Il va présenter les textes. Concerne quoi? Kakamam Yabao. Oh, décret de loi, décret de projet, projet de loi, projet de décret, projet de ceci, et ceci. Et oh, voilà. Bon, ah bon, et licence. Bah, qu'elle fait sa licence d'exploitation à Total. Bah, qu'elle fait sa licence. Et tout que ça. Rien sur le peuple. Rien, ben écoute, je vois même pas une phrase. On va dire que non, bah oui, là on va revaloriser les salaires, surtout ça, il faut même pas parler. Ah non, on va faire la gratuité. Et regardez maintenant, sous la pression, les barrières vous ont pression. Et lorsqu'ils sont pieds au mur, et vous allez voir Thierry Mungala, le blond là, il va arriver, il va faire toute une litanie des listes. Et qu'ils ne vont même pas tenir compte. Et ils ne vont même pas appliquer. Mais vous voyez, maman Zosa, non? Oh non, on va faire ceci. La gratuité de l'école. Les ceci, cela. Oh non, n'y aille. Mais les foutiaques, mais taxi aille. Mais les savez plus bien, puis là. Allez. Et nous sommes tous les militants, malamoko. Et dans l'effectivité, ok, kuna et leur réalité. Et ça, c'est le Congo Brazzaville. Le Congo Brazzaville, au conseil des ministres, va n'y aller à Bassa Lakaro. Oh, mon abadon, il y a qu'on a balle de l'eau, comme il y a qu'on prend le peuple. Mais le peuple congolais, attends, qui me fait. Donc, ça dit que même le conseil des ministres, ils sont nombreux, vous êtes nombreux là. Vous êtes nombreux. Là, autre zone de vacances, je sais pas déjà combien vous êtes déjà connectés là. Vous êtes combien, on a, vous savez, on va, sauf que le conseil des ministres et tal, vous tous, vous courez derrière pour aller voir, non, balle de l'eau. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'appétit à côté de Talango, parce que vous voyez, il y a quand même un peu. Vous n'allez jamais entendre que non, ah bon, on va réformer même le système à travail, n'a pas même sur les athées. Oui, donc on va savoir, il y a un peu, quand il y a un projet de loi, un projet de décret, un projet de ceci, oh, on va passer à l'Assemblée, oh, ceci, ça les concerne, il y a un peu, quand il y a un peu. Mais prendre un peuple congolais comme on a voté. Et même ceux qui ont une mesure pour un peuple congolais, comme on a voté toujours timide. Et même autant dans la réalisation à Kokate. Moi, je prends l'exemple. Il faut vous rappeler qu'un gay, président de la République, M. Denis Sassou Nguesso, aux Oaka, mesure, moi, qu'on a rappelé, yo, en gros. Pour qu'on a dégré, ma yé, nabino, yo, gouvernement, yo, n'a pas conseillé, na yo. Au lobby, on tient gratuité et à passeport. Gratuité à passeport, au lobby, on tient en gros. On tient gratuité à passeport. Et tu te rends compte. Ben, comme ça, là, il y a un rapport, parce qu'on a besoin de passeport, et toi, tu ne vas jamais là-bas. Ben, ça, il y a un rapport. Le passeport, on le met à l'île gratuit. On laisse à la gratuit, il y a des fonctionnaires, il y a l'État, fonctionnaires, oh, ben, béni, véreux, ben, bon, on a, ben, quoi, on a quelques populations. Au lieu de gratuit, comme 50 000, 100 000, ouais, ben, ça l'a capressé, parce qu'il y a toujours des gens au Congo. Les imbéciles, je les appelle. Excusez-moi le terme, hein, les imbéciles. Ces imbéciles-là, ils aiment toujours avoir la priorité. Ah voilà, je suis un VIP, je connais quelqu'un. Bon, Aroyaka, il y a encore. Même parfois, ces fonctionnaires véreux là, parfois les fonctionnaires, Akilina, pour s'appeler assez mambamoté. Mais comme ils ont l'ingi, aux ala voima, aux ala chef, chef Yanina, yébite, bokas labino, aux ala patron, patron, et le Kourokuna, tout le monde est patron. Boss, barotou, n'amora mi yib, baba patron. Donc, ils vont se présenter, alors que tout le monde attend, bon, la Dakar, la fille, vous remplissez tel jour, vous voyez qu'on soit, yako, yaka, parce qu'il est pressé.
comme il est pressé, il dit, bon, petit, tiens, Kamata, 150 000, il a dit, passeport, il a 12 heures. Ah ben, comme il y a la galère, Motazui, 150 000, tiens, la carte à poche, a mis ses passeports. Et comme ça, le système s'installe. Et Yohana, ah non, tu as besoin d'un passeport, mais non, vas-y, il y a l'argent, prends, tu n'as pas besoin d'attendre demain. Alors qu'il peut attendre demain, bah, délai, bah, ça. Gagne, non, la cause, ça, passeport, on a gagné, je vais à la mairie. Je remplis, on me dit les délais. Ils me disent, ah, là, il y a beaucoup de demandes. Là, pour voir vos passeports, là, vous pouvez attendre deux semaines, ou trois, même un mois, bah, les dames, ça vise tout. Mais au moins, je sais que dans un mois, ma bah, personnel numéro, vous allez suivre, ah, ouais, d'internet au quota, là, à partir de date, ce qui est à l'IPE, il y a vos passeports, d'ailleurs. C'est comme ça, ça se passe. Ça se passe comme ça. Mais, bisokuna, passeport, première vos peut-être cinq jours, six jours. Ah, non, 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 non. Et, en plus, ici, il y a des mesures d'urgence. Il y a des mesures d'urgence. Ce qu'on dit, tu es à la urgence, on demande qu'on a au lac ici. J'ai un problème de décès, certificat de décès, il faut la voyager. On a un gagné, notre nom est bien à Côte d'Ivoire. Nazanago, il faut que les banques n'aient pas de Mokanda, par contre, ça, méthode de procédure d'urgence, Ezan. Ezanago. Donc, il n'y a pas de problème. Si vous qui voulez voyager et que vous avez monitoré, allez, procédure d'urgence. Mais là, il n'y a même pas de problème. Parce que les passeports de service, ça, c'est à Kango, dans la DGSC, dans la CID, Kuna. Parce que ça, c'est à Kango, pas passeport de service. Donc, bon, bah, quand on a urgence, on a voyagé, c'est un passeport de service. Mais ne connaît pas qu'un passeport a une urgence. La CID, on a eu un passeport diplomatique au ministère des Affaires étrangères. Et passeport normal, bon, tu as reçu la bateau, bon, il y a qu'à en toute urgence, oh non, mon petit, je vois 200 000. Bango moto, bah, voit ma wana, ce sont les mêmes dirigeants. Ceux qui sont au conseil des ministres, ceux qui siègent avec le président de la République, bah, on y va que ça va vous vous, bah, 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 vous vous, là. Bah, pèse, bah, idée, on a là, bah, fonctionnaires, et les fonctionnaires sont devenus furieux. Et ces fonctionnaires-là, maintenant, pour la motion, ils ont dit qu'il y a une urgence, tiens là. Alors qu'il y a eu, au principal, on était à l'école. Et le rapport, ils n'auraient pas à mon lui-même, il a appris ça. Par le mina, Batoba ko salakabu. Au lieu à Kanga Batowana, à Senga na Okonga Kala, le procureur, à Kenoko interpellé Batowana, il y a le mini. Non, je vais pas sanctionner ces gens-là, les fonctionnaires véreux, je vais sanctionner le peuple congolais. Il y a tout le peuple congolais. Bon, allez, il y a qui gratuit, là. L'homme la reçu gratuit. Bon, fout à Siko. Bon, t'as le degré à Maillé là-bas. Vous voyez, ça, c'est le degré à Maillé là-bas. D'un conseiller, président, premier ministre, là-bas, ministre, bah, Union Souïde. Dans le même sac. Il n'y a pas là-bas. Bon, moi, il n'y a pas là-bas. Il n'y a pas. Donc, à taille, il n'y a pas mon côté. Donc, il y a pas ça, il vrai pas si. Il y a pas ça, ma keti-keti. Hein? Comment on appelle ça? Je sais pas. Et ça dit que le cœur, là, il n'était pas tranquille. Ils n'étaient pas tranquilles, le fait qu'ils aient la gratuit. Bon, bon, moi, il m'a vrai pas si. Il n'y a pas ça, il gratuit, alors qu'il faut pas foutre. Et voilà, c'est comme ça. Aujourd'hui, Bazoung et la Galikambo, il y a passeport, et même il va tirer à Zongi Sangon à tourner la prison de la République. Est-ce que l'air aux Zongi Saki Mbongo Futa? Est-ce que maintenant, mon collègue Loyo, ma Kamwana, et ça, la Maka toujours bien, ou est-ce que la Kama B? Parce que le temps est le meilleur juge. Yo, le Vakit, c'est ça qui voulait, bon, dans Zongi Sangon, oui. Bon, est-ce que l'air aux Zongi Siango Mbongo Anto Futaka? Est-ce que la situation s'est améliorée aujourd'hui pour les passeports? Non! Non, c'était pas ça le problème. Le problème, c'était au niveau de l'organisation et la conscience. Mais bon, ça, sous conscience, n'est-ce pas? Papa, mais c'est vous-même. C'est vous-même. Monsieur Denis Sassou Nguesso, les abats ministres, d'ailleurs. Les directeurs centraux que tu nommes, les maires que tu nommes, ni Bao que Salam ou vous, n'a pas la yaï. Ils passent pour des chefs, des grands, des trucs, je ne sais pas comment. Mais attendez, Ngaï Awa, vous savez, j'ai vu le maire Awa, ça va faire, bon, vous savez, 23 ans là-bas dans la Courbevoie. Awa, Courbevoie, 23 ans. Le maire, là, je l'ai rencontré dans ma vie, peut-être qu'à trois fois. Peut-être qu'à trois fois, le maire. Trois fois, le maire. Trois fois, qu'à trois fois. Mais il y a bino. Donc, il y a un gars qui a été motomo, c'est-à-dire que voilà, il est là, au contraire. Sauf que comme l'élection a été bâtonné, mais oh. Frapper la porte, nanga, oh non, il faut voter, togo salabwe, bon, bah, le binanga yi, quartier nabino, bah, ma tchitche zalaka, tout ça, tozu ba kami asika, ekolongolo maintenant, sécurité, bon, et pas nabino, la police, est municipale, et comme il connaît qu'à deux fois par jour, ou bien de bwe, si quoi, bwe, même son consalité, au con, qu'il y a des vacances, qu'au bagate, tika ni na yon, signalé à moi dans la police, ou kuna, comme ça, de temps en temps, la police, et qu'on les kagota, nanda, qu'on soit dit peut-être, moi, mouta, et qu'on salabou, tout ça là, voilà, à ce moment-là, ah, bah d'accord, dans le maire, allume à Kamwa, bien qu'elle en foutu. C'est comme ça chez nous, c'est comme ça, mais chez vous là, dès que la pierre pose, parfois qu'un conseiller à papa, à ta même conseillé,
Azali le qui a conseillé, ou bien si Massac a conseillé, ah, ou bien pas bateau, je suis le conseiller, je suis le conseiller, je suis le conseiller. Yo, ce moment, on est là, eh, tu as le bien conseillé, n'a pas de sou, mais quand on a peut-être, le rolling à la moussa là, et pas mal, bah, moi, tout m'a conseillé. Tous, ils sont conseillés au cours là. Bah, voir ma balingue, mon chef, mon grade, y'a ni, 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 bah, que ça là, mon vous, n'a qu'au, bah, bah, mes bébés, ils boivent là, et là, bah, la bébé, ça boit là, comme bon, en gros, bah, y'a ça, n'est pas ça, en gros, bah, bah, m'y y. Ce sont des voleurs. Baba miyibi, mbongo fasi, bazu ango, bakekuna, bakorompe bateau. Et puis ça s'installe. Le système s'installe. Ceux qui ont les grosses voitures au Congo, mais c'est lesquels? Est-ce que toi et moi, on peut acheter une voiture de 80 millions? Toi et moi, on peut acheter une voiture de 120 millions? Loba, il y a l'épisode, non? Toi, ton père n'est pas industriel, mon père non plus. Voilà, tout ça, comme ça, là, oh, tu gagnes que 50 400. On peut pas s'acheter une voiture, ou bien ma voiture, il y a 80 millions. Non, c'est pas possible. Même à 50, non, même il y a 10 millions, on s'en va voter. Bon, lesquels qui ont les voitures? Il y a que par la bave. N'a y'a que là-bas, n'a que personne n'a pas ma canoua bao, n'a pas l'équipe bao, n'a pas ma quinte bao, n'y a aussi une année bao, ma voiture à néné. Ma voiture a néné, il n'a pas besoin d'italien ou, bah, que même pas là, papier, assurance, il est élevé, le chauffeur n'a pas de permis, non, surtout, on a. Les raisons, les calibres, bah, sans l'ignore, ils ont mettait dans la candidat, 1 000 francs, 2 000, appelé c'est un policier. Appelé c'est un policier. Et c'est comme ça le pays. Et le policier aussi a commis l'habitude, on a commis mon yibi. Policier m'a commis mon yibi. A mon oh, donc, il a commis n'est-ce pas, donc, mon atteint, bah, mon, ma voiture, qui te connaît, faut pas qu'un an. Bah, car la voiture qui tombe, parce qu'elle dit, ah, vieux, Ngaya Wanzala, ah, mon petit, Kamata. Ah, bon, ça dit que mon sandaye, c'est régulé la circulation et contrôlé. Sauf qu'une voiture n'a un Mikanda. Ah, tout n'a même pas que Mikanda. Et ça, contrôle technique, permis, carte grise, bienvenue. Et quand il y a fou, d'accord, mais, bah, pèsez-moi 2000 la Kamata, tu n'as pas aussi, bon, bon, Ali, qu'il est pas, écoute. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, ceux qui foutent le bordel, c'est les personnes que tu nommes là, à des postes de responsabilité. Des personnes qui n'ont aucune conscience. Bazavé, c'est quoi l'état? Bazavé. La fonction que ça va bazavé. Mais il faut éduquer ces gens-là. Ils savent pas. Lorsque tu prends les Yakanokinoki qui viennent du village, qui n'ont jamais eu même l'instruction civique, bazavé. La valeur travail, bazavé, avé. C'est tout à fait normal qu'on se retrouve dans des situations pareilles. C'est lui. Donc, au conseil des ministres, les babimarakouna et l'autre, comment qu'à malonga, ils ont la gâté, on a le peuple. Il y a biso bang équipé qui met trouvé. Parce que la carte tu dois population, bon population zalé wa to sale loko. Il quel est vé. Nana ta mon comment que na yoki. Et ça nga il ngina val. Ah ba le bibou rien. Sur le même cas revalorisation des salaires dans la bango ba ke cool. Bazo na 1991. Bazo na 1960 na yebi bon ngi. Oh quand même. Est-ce que vous êtes énorme? Est-ce que vous êtes énorme? Donc vous voulez dire par là que non, il y aura pas la revalorisation des salaires. Et entre-temps, lorsque les réseaux sociaux, ou bien la matinale, tu vas moto, à la mambo, bon, voilà, bon, t'as la bruit, biso, à ma congolais, donc, comme il est étranger, n'a pas la biso, moko. Étranger, n'a pas la biso. Et lorsqu'on le dit, c'est pas de la xénophobie. La xénophobie, en quoi? C'est le constat. Mais vous êtes votés par le peuple. C'est-à-dire que c'est pour cela, ils savent qu'ils sont pas votés par le peuple, ces gens-là. Parce que si la yébaka, tu vas être voté par le peuple, quand ça va la cabisson. Ils savent qu'ils trichent dans les élections. Bon, ouais, puis valeur que la bine. La bine, non, non, député, sénateur, les ministres, là. Bon, vous avez quelle valeur? Parce que moi, vous n'avez aucune valeur. Vous savez, les gens, parfois, m'appellent. Oh, mais Déco, calme-toi. Qu'est-ce que tu as avec le premier ministre? Vous avez peur? Moi, j'ai pas, moi, j'ai un problème avec lui. Moi, je dis la vérité. Moi, je dis la vérité. Parce que si j'étais dans sa circonscription, j'allais pas le voter. Ah, mais Déco, qu'est-ce que tu as avec Bouya? Moi, j'ai pas un problème avec Bouya, c'est un voleur. Bouya était un voleur. Quelle complaisance pour Ouganda na Bouya? Yannib. Bah, la qui s'est mis ce bilan, bah, bon, on va passer. N'a rappelé bien encore. De 2002, 2011. Ben Kou Wamoun. 2002, 2011. 20 000 milliards. 20 000 milliards. Il y a de ça d'ailleurs. 20 000 milliards. Bah, n'y a 20 000 milliards. Même ceux qui le milliard chez vous, ça veut rien dire. Mais 20 000 milliards. 2002, 2011. Bon, on va passer à ah, ça, on dit, pour bon, l'ingénieur, c'est la gentille, la moutonne, n'est-ce pas? Bon, l'obanaga, y'a un la belle, bon, bien, n'est-ce donc, on a réfléchi que les sous-souterres, bien, n'est-ce non, moi, je n'ai rien. C'est-à-dire que moi, je ne vis pas au dépôt de Bouya, ou de Colline Makosso, ou de, tu sais pas de qui, de Sassou, de trucs comme ça. Non, moi, je ne vis pas à leur dépôt. N'a la qu'elle est la pinga salaire. Patron, n'a ah, ils sont là comme quoi, je suis comme ça. Voilà. Ah, il y a un appel à la salaire. Mais maman appelle ça à la salaire. Au contraire, Bango Wana, Basaka Makamama B. Sauf que la Yébi que tu n'as, le peuple avait le pouvoir. Il y a qu'au démettre Bango et pas Zali Wana, qu'à se faire respecter que le peuple. Mais quand la Yébi, Basala, Basala, Madame Outé, ils seront toujours là. Ça souvent encore les renommés. Mais regardez. Regardez le résultat de ce gouvernement-là. Que ça n'arrive à même pas à changer. Regardez. Est-ce que vous êtes satisfait? Mais faites le sondage. Pourquoi vous le battez? Non, vous ne pouvez pas
Non, mais ennemi, bébé, puis nous, on va nous tromper. Mais faites le sondage. Demandez au peuple, êtes-vous satisfait du bilan de ce gouvernement, oui ou non? Le peuple congolais va s'exprimer. Alors, je suis sûr à 90%, bah, que les autres, ils ne sont pas d'accord. Parce que ma maman passe, inflation même matin. Lorsque vous dites que vous ne voulez pas augmenter les salaires pour éviter l'inflation, mais l'inflation monte. J'ai entendu un toto dire, pour considérer que l'inflation, même maintenant à Congo, il faut le prix du pain augmente. Et là, il va se rendre compte que non, il y a l'inflation. À ces gens comme ça qu'on a donné la responsabilité de notre pays. Ah! Mais vraiment là, et regardez le niveau. Pour se rendre compte qu'il y a une inflation au Congo. Mais là, voir, son repère à lui, c'est qu'il y a une augmentation de pain, du prix du pain. Ah là, il va se dire qu'il y a inflation. Tant qu'il n'y a pas augmentation, il y a prix à pain, il n'y a pas l'inflation. Bon, comment voulez-vous, moi, Brice Landry Duco, je vais faire confiance à quelqu'un comme ça avec une intelligence limitée, plus que limitée. Bon, même je ne sais pas si Descamis peut raisonner comme ça. Ce n'est pas possible. Oh, là où tout le monde dit que l'autre, tout a augmenté, passif, même les loyers. Dites-moi les loyers. Les loyers, ça n'a pas augmenté. Bah, ils ont mis compte à nous. Bah, que nous l'aider à arriver. Mais ça dit que les gens sont capables de vous dire, non, va louer la maison de 5 000 dollars dans quelles conditions? N'a pas de Yo, là, la grande dame, dit-on, on l'a dit, 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 donc l'inflation existe déjà. Il y a l'inflation. Donc, si on augmente le salaire, il y aura toujours l'inflation. Donc, augmente les salaires. Garde-moi, on a yoté. C'est pas ton argent. Anatole, pardon. Il y a que Vimbon Wangé. Il y a que Mbon Yalita. Lève au Koloa. Au Koloa. Au Koloa, Anatole. Au Tika, la Wanaté éternelle. N'y a que Katuka. N'y a même pas président de la République. N'y a que premier ministre. Donc, mandat premier ministre, c'est Manisaka. Et là, Massimé Boubiaï. Ce papa-là, tu ne connais pas trop, hein? Les Aveyan, si nous sommes personnes, par exemple, le papa là, je vais vous donner un exemple. Pour que vous voyez, vous savez, les Kunzu, sous Milongo, vous avez suivi ce que le Kunzu avait subi, non? Le Kunzu, ce qu'il avait subi sous Milongo, comme ça même Nabolo, il avait payé cher pour la gestion de Denis Sassou Nguesso Sassou 1. Il avait payé cher pour la même Nabolo. Donc, Sassou, il y a qui veut pas être. Ce sont des vraies personnes du Parti Congolais du Travail. Les Kunzu, lorsque en 97, Bamé Vutuka, Bamé Bamé, il était ministre de la Défense. Les Kunzu, paix à son âme. On ne parle pas de Nanner. Pas son âme. Même Nanaksab, Ressika. Les Kunzu, ministre de la Défense. Sassou va faire un remaniement. À l'objet, on a quatre remaniements. Oui, oui. Bon, les Kunzu, avant d'être ministre de la Défense, dans le Kuna, la Kotchaïna à l'Assemblée. Et à Tienne, à l'Assemblée, les Kunzu, ils voulaient être président de l'Assemblée nationale. Sassou Nguesso l'a mis au poste de vice-président de l'Assemblée nationale. Les Kunzu à l'Obiwe. Et les Kunzu, hein, donc Anatole, toi, tu n'as rien fait dans ce pays-là. Ou que Sassou, peut-être, hein, à cause de Madame Sassou, hein, Sassou Léna, t'as là-bas, je ne veux pas contrarier ma chérie là-bas. Maintenant, Banatam, hein, voilà. Mais tu n'as rien fait pour Sassou pour que tu penses, tu n'as pas qu'il y ait une décision. Donc, les Kunzu. Sassou a proposé vice-président. Il y a l'Assemblée nationale. Ah, moi, ministre de la Défense, on me quitte comment? Je ne veux pas être sous les bottes. Je ne sais pas qui était président de l'Assemblée nationale. Ah non, 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 je ne peux pas être sous ces bottes. Je dois être président de l'Assemblée nationale. Et. Vous l'appelez ça une indiscrétion. Une indiscrétion. La tort, on a pas causé. On a une indiscrétion. Et. Papa. Bakangé, quoi, de poser à vice-président. Comme il trouvait qu'il était incontournable. Dans le système du Parti Congolais. Parce que le Parti Congolais du Travail, c'est un parti puissant. Attention quand même. Hein. Le Parti Congolais du Travail est un parti puissant. Le Parti Congolais du Travail, c'est le seul parti qui réussit à plier Denis Sassou Nguesso. Ben, ça là, attention. Les mots de Zosa Benao. Voilà. Donc, il y a Monica Akin, Batoua, vrai, ma casse la carte, ton. Hein. Aboya Post Wana. Oh, il va appeler Sakaye Wana, il y a vice-président. Il y a Makinga, il faut être à la présidence de l'Assemblée nationale. Je ne peux pas être le vice-président. Denis était assis à son jardin, là, c'était encore la résidence de Mpila, au bord de la piscine. Avant dit, bah, le vina, non? Aboui. Aboui, hein? D'accord. Alouika, d'accord. Ok, on va voir. On va voir. Albaka Ndingwa. Ti, mon koloya, l'élona, ti, a koufi. Les Kunzois étaient écartés. Bah, l'ongola, yé. Azouakalissou sous poste T. Parce que Nini, a Kanisaki Chazara qui est incontournable.
du jour au lendemain. Après, tu vas dire, mais comme ça, ah, mais les gens-là ne connaissent pas Denis. Hein. Regarde ce qu'il a fait à l'Ekouzou. Ce n'est pas parce que tu parles contre ce que tu as au Kansatino, oh, tu as toutes les faveurs, tout ça, les trucs comme ça. Peut-être l'homme a vieilli, c'est tout seulement. Mais les Razalaka, Anan Komoko et Rosakanate. Anan Komoko et Rosakanate. Donc, il faut faire très attention. Rien n'est acquis avec Denis Sassou Nguesso. Rien n'est acquis. C'est le même Denis Sassou Nguesso qui a demandé à son fils, c'est lui, en 2018, fais le tour. Voilà, va te mettre, tu dois être proche de la population, tu vas te présenter en 2021. Où tous là, les collinés, comment on appelle ça, les Thierry Mungala, tous ils étaient les Atalaku de Kikila. Vous vous souvenez? Vous vous souvenez, non? Même lorsqu'il avait fait son truc là, dans la perspective d'avenir, où tous ils étaient là, lui et Denis Christian Sassou Nguesso avaient dit, le Congo de demain, ce n'est pas le pays de mettre ceux qui ont volé en prison. Vous vous souvenez? Et tous ils avaient applaudi, tous. Les Mungala, les Collinés Makoso. Même Bakimouba, imagine, même Fils Mouni, avait été bouti si avoir un jour avant. Hein? Bangouana, période ouane. Vous voyez maintenant? Et de la même manière, Yewana alobaki na mwana na etino kende pour la conquête du peuple. Abanako sa. Ba action moko bien. En tout cas, moi je loue ça. Parce que pourquoi l'air a kende dans le pool? Elle a soigné ma famille là-bas, dans le pool. Donc, yake me mamba. Parce que maintenant, pas si kuna. Ake kuna, nata ki ba soin kuna. Ba l'hôpital mobile, avako nata wana, ba médecin, avako outa na mbok. Même soka yibi mort. Mais moi je préfère qu'il vole l'argent à soigner ma Congolais. Là c'est bon. A sa kiao. Mais Denis Sassou Nguesso, lorsque le Parti Congolais du Travail, Atali Tchatchimabala est monté au créneau, à l'Assemblée nationale. Il a dénoncé. Alors lui, ça veut dire quoi? Motowana, il a quoi comme poste? Aucun poste était. Hein? Aucun poste étatique. Anata, bah député Nassimanaye, bah ministre Nassimanaye, à quoi Nata moi partout, ça veut dire quoi? C'est le Parti Congolais du Travail, le puissant parti là. Bah Banako Nbanon, nous ne voulons pas de Kiki au pouvoir. Denis Sassou Nguesso débranche son fils. Il dit, bon, arrête. Moi, on appelle assis. Donc, tu vois, même pour son propre fils, parce qu'il a les appétits, le garçon là, les appétits du pouvoir, qui est aligné qu'on a la président. Aligné qu'on a la président. Parce que ce qu'on a aligné qu'on a la président, c'est qu'on a la président. Et pas les autres s'attendre, tout le monde dit, bingo, et biminamo. Et autre, la mouki. C'est le même Denis Sassou Nguesso. Le ministre Mali, ministre Naye. Aïe, monsieur, qui est dans un bala. D'accord, ça, il bala. Après, si il fait vers ça, il bala, d'ailleurs. Ministre Mali se marie le samedi. Le dimanche, à la mouki, balongoli est ministre. C'est Denis Sassou Nguesso, hein. Il faut pas oublier ça. Le dimanche, à la mouki. Et ce dimanche-là, je ne sais pas si c'était ceux qui a qui fête à 15 août, ceux qui a qui à 31 décembre, des trucs comme ça. Il se retrouve à Pointe-Noire. J'étais là. Bah, tout nié. Bah, on a été au Times, là, tout nié. Ah, mais on me reproche. Qu'est-ce que j'ai fait? Moi, je l'ai laissé faire son mariage. Et après son mariage, j'ai changé mon gouvernement. Parce que je pouvais changer mon gouvernement avant. Mais je l'ai laissé se marier en tant que ministre. Mais là, à la mouki, pas le ministre. Regardez la cruauté de l'homme. Regardez la cruauté de l'homme. Non, mais ça jour, c'est peut-être l'homme a vieilli. A comme peut-être un mois sagesse n'a évité. Mais sinon, il est capable de faire des choses inattendues, Natala. Donc, Anatole, poste yina, il m'a le courant que vient gay. Le poste là, demain, on peut te virer. Donc, il y a que vient bon wangé, kaboul mbon ou la congolais. Revalorisation des salaires, spécial. Créer des milliardaires, c'est ce qu'on te demande. On te demande pas grand chose. On te demande le minimum. Fais-le. Pourquoi tu ne veux pas le faire? Yimoun a comprendre. C'est pas ton argent. Il y a que vient bon wangé. Ce n'est pas ton argent. Il y a que vient bon wangé. Il faut me rappeler, Nyao. C'est l'argent du peuple congolais. Pesa bango ba mbon lao, redistribution. Pétrole bongo te kaka, ba olo bongo te kaka, bongo salakate, loko bongo te, na ipsibi. Alors, bente kwe na Sénégal. Bongo, le talaba ninga siko yo. Pour que vous bente kwe na Sénégal. Mouke demande la régie, tout la bête au vidéo, ben tala, visite de courtoisie. Yina, Ousmane, oh non, Ousmane Sonko, il est bon le garçon. Le jeune homme, il est bon. Il est bon. Si vous avez dit, il est bon. Ousmane Sonko, il est bon. Parce que je me suis dit, Ousmane Sonko, il est bon. Ousmane, parce que je pense qu'il est meilleur. Mais si je me suis dit, donc il y a un vrai meilleur. Hein? Ousmane Sonko, il est bon. Si vous avez dit, il est bon.
Donc, ce qui est 10 millions, donc il faut en être fier que nous allons vivre bien. Parce que le critère est l'appréciation et nous allons élever Makassi. Mais il est très bon. Il y a quelqu'un qui est avec le nouveau président du Sénégal, il m'a dit qu'il va basiro le polygame. Bon, peut-être vous trouvez le membre après. Peut-être qu'on est dans la régie. La régie, s'il vous plaît, c'est qu'il y a tout la même vidéo. Il y a courtoisie, peut-être qu'il y a un rond de visite. Le président Yin va dire que c'est. Donc, on va mettre quoi dans la régie. La régie, s'il vous plaît. Moudon, visite de courtoisie au président Benio Falk, élection Inyugen, du Basirou Djomaï Djahar Fay, Amal Fichi Makanou Djitureu. Mounyou Nemekoussi, président Makissa. Now, Safontei. Nyari Njiti, Wartane Luyag, Luniel, José Yuman, Ichiwal Eta, Yirikhar, président Basirou Djomaï Fay. Lenen, Luni Wartane, Niel, cérémonie de prestation de serment, à passation de pouvoir, di Djokelante Ngourgi, tenu fas Yereko Amal, Nyari Fan. Tiwero avril. Bañu ci paré nak jitt réew mi. Wara lek président Basirou Diomaye Faye mi ko nara wutu ci bop réew mi makan gi du palais ak cabinet du chef de l'état. Alors Diomaye Faye accompagné de Ousmane Sonko, vous qui avez prédit que Nobalanga qui va se séparer. Un bois, la honte du pleureur de la voiturette, là, celui-là, qui avait déjà, oh non, Bakoyo Kanate, a commencé là, parce qu'il y a le cas Zoua, lui 50 ans, président des Atalak du Parti Congolais du Travail, l'autre 40 ans, président de la République du Sénégal, et par n'importe quel pays, potentiel des Alikouniakos Sakalate. Bon, là, vous voyez. Bon, Moni Maninga a commencé la visite de courtoisie. Première des choses, ils ont gardé l'unité entre les deux. Ousmane Sonko Yewana et Diomaye Faye Yewa Zaliwana. Toutefois, il faut reconnaître. Si Ousmane Sonko a joué qui interdit, ça va invalider que l'on a été président. Donc, l'autre là est bien conscient. Donc, le vrai leader, Nabangomi Balwana, il s'appelle Ousmane Sonko. Bon, toutefois, mais c'est l'autre qui a été élu. On n'est pas président par hasard. Diomaye Faye Yewana sera l'équipe président parce que nous avons mené le Koloko dans le Bakuyo Motorosa la président. Bon, en tout cas, le Dieu là, il est très bon. Bon, moi, il va qu'il y ait la visite de courtoisie. Il va qu'on t'aille. Bah, qui m'y t'aille, tu vois, n'a pas l'air, qu'on a, bah, ça, il va qu'ici, sur Okekuna, au Sassou, sur Apécio, en Moté, à Vio, ma chance. Et ça dit que, mentalité, avec ma problème, vous avez fait. Oh non, oh, c'est le diable. Il ne faut même pas essayer de trucs comme ça. Avec tout ce que, Martissa, la saline, la nanue. Bon, moi, il s'en couille. Yeah, ouais, Ousmane, s'en couille. Apécio, Moté, dans ma boque, à Barré, l'autre côté, tout ça là. C'est parce que vous croyez toujours, ça dit, bah, ça, Gabino, bah, film. Moi, t'as la barre, oui, à Barré. T'as là, le petit Azo remplacé, Yaya. Le tal à Vandiwana. Ah, mon cher Albis. A carré quoi diabouila. Et ni les caca bisona le Congo. Botala ma jeune. Botala. Yoana et Bongawana. Yemta Kovanana. Yako Vandawana. Ousmane Sonko Kovan vanda côté. Donc vous imaginez vous-même que le premier ministre, il y a Sénégal et Kouzalanel. Ou bien Yemoko Sonko Kovan décide poste là. C'est lui qui va désmonter. Avant le Babongo, ou Tchangai Aou. Ça c'est sûr. Mais Botala Bangwan, accompagné, ils ont bien encadré le gars. Vous voyez comment il a le visage, il est perdu. Il dit, mais Denis Sassou Nguesso, qu'est-ce que tu m'avais dit? Alors que tu aurais pu avoir une sortie honorable au marqué histoire à Sénégal. Tala, encore yo kama conseil, ce qui y a nani na yente, y a nani na yébite, ok, kuno sal makamoutou. Et à la franc-maçonnerie. Vous voyez? Comme quoi la franc-maçonnerie là aussi a ses limites. Donc on est. Basaki makamounion surtout. Bake na balojo. Bake ba nino makamounion surtout. Basuki. Basuki, Ousmane Sonko, il y a ça qui va voir. Basuki, Mouké demandait dans la régie, pardon, la régie, si vous avez préparé bientôt, et le mot, il y a Ousmane Sonko, il va aller indexer les 7 magistrats, ceux qui ont pris en otage tout un pays, parce que c'est de la même chose chez nous au Congo. Pardon, Angé, parce que d'ici là, ils vont être interpellés, les 7 magistrats, il y a la Cour constitutionnelle. Je suis sûr que le président de la République va encore écrire une lettre, bah, pour que ma paix ça, est-ce qu'ils sont favorables, va changer, et ça, la paix ça, encore un changement de constitution, si vous avez préparé, mettez avec tout le bénéfice. La réalité ici au Congo, c'est quoi? La réalité au Sénégal. Et la réalité qui s'impose. C'est pas moi, hein, Baninga. Ngaïté. Moi, je suis monogame. Mais je constate seulement une chose.
Désormais, pour être président de la République, Ousmane Sonko a deux femmes. Bassirou, Faye, Yewana, il a deux femmes. Olingi, deux femmes. Ça dit que c'est quand même curieux. Hein? Ça dit que ces gens-là font trop la promotion de la polygamie bangouana. Moi, j'ai la comtesse. Écoute, parce que la ligne n'a pas de problème. Parce que l'air matinal ici, la kawa, binote bouyaga, ojire makawa. Mais la lobby n'a pas de kaka. Donc, ceux qui veulent être président de la République, qui ont 40 ans, moi j'ai 55 ans. Donc, ça ne me concerne pas. Voilà. Bangouana, surtout, Anna, Bazaleba, je. Donc, ce bonhomme, à la présidence de la République, ça, il faut voir comment faire les choses. Déjà, deux femmes. Vous allez appeler inspecteur, vous allez appeler ce qui nini, militaire ou général. Bon, voilà. Et puis après, vous allez appeler président. La casse à l'écriture, on a gâté. Nous avons même décidé que nous avons le courage de bien. Donc, bisous, vous avez ma présidente. Moi, je demande la régie en tout la bête aux vidéos. Il y a Ousmane Sonko. Là, parce que ce message-là, tous les jours, doit être martelé ici dans la matinale. Nos dirigeants doivent savoir. Et bah, Zaba, Mambouni Sonko, Bani Zosa. Et vous allez voir lorsqu'il parle avec une sincérité. Et lorsque tu entends ce discours-là, et au coton, la kachaba trip, yomokozo yokango. Parce que moi, je sais, d'ici là, le président de la République va consulter ces sages-là, yokaba sage. Quel sage? Un changement de la constitution. Et aujourd'hui, vous voyez ce que nous sommes en train de vivre au Congo pour faire évoluer les institutions de la République Wapia. Évolution des institutions de la République Wapia. Belmetalia. Belmetalia. Il n'y a rien, Baninga. Bête Kouéda, la régie, s'il vous plaît. Tiabiswango, Bakoumoule, Batala. Que nous mettons en garde le Conseil constitutionnel. C'est sept messieurs et dames. Pompeusement appelés sages. J'ai toujours dit que, et ça je le dis depuis 5 ans, revoyez mes vidéos. Il y a des choses qu'on ne peut plus admettre dans ce pays. Au nom de l'exercice d'une profession, on se permet de piétiner la loi, de piétiner la constitution et de mettre le pays en insécurité. Ce qui se passe actuellement, c'est la responsabilité de 7 personnes, 8 personnes, qui sont tous des magistrats. Parce que le ministre de l'Intérieur est magistrat. C'est la responsabilité de 8 personnes. Et à chaque fois que le pays est dans ces situations de tension, c'est le Conseil constitutionnel, c'est la Cour suprême, c'est la DGE. Est-ce que cela c'est normal? Moins de 10 personnes qui tiennent tout un pays en otage pour les avantages qu'on leur donne. Aujourd'hui, ils sont barricadés chez eux. Gardés par le GIGN, gardés par la BIP, gardés. C'est pas la peine. Personne ne va les attaquer. Personne. Mais qu'ils comprennent que tôt ou tard, ils rendront compte de leur irresponsabilité. Devant cette même loi qu'ils étaient censés dire et qu'ils n'ont pas dite, devant cette même constitution qu'ils ont piétinée et violée, ils rendront compte. Parce que ce qu'ils ont fait, c'est une violation flagrante de la loi. Parce que Macky Sall proche l'âge de la retraite, parce que Macky Sall donne des dessous de table, parce que Macky Sall donne des... Il faut aller voir le train de vie de ces gens-là. Allez voir le train de vie de ces gens. Ce n'est pas un salaire de fonctionnaire qui le donne. Et au nom de cela, ils sont prêts à tout faire. Et à mettre ce pays en péril et en danger. Ça ne peut pas continuer. Et c'est valable de manière générale. La justice de ce pays, c'est la première grande réforme qu'il faudra faire. Il n'y a plus de justice dans ce pays. Cette justice fait mal au pays. Elle se fait mal à elle-même. Parce que tous les magistrats sérieux, compétents, aujourd'hui souffrent des actes posés par une petite minorité, un groupuscule de magistrats que Macky Sall a choisi et trié sur le volet. À chaque fois qu'on est dans ces situations, c'est un procureur qui est à la base. À chaque fois qu'on est dans une situation, c'est un doyen des juges qui est à la base. À chaque fois qu'on est dans une situation, c'est la Cour suprême ou le Conseil constitutionnel. Est-ce que cela est normal? Jusqu'à quand on va supporter ça? Et c'est pourquoi j'ai dit tantôt que les gens rendront compte des actes qu'ils posent. Ça ne peut pas se faire aussi facilement. Les rumeurs disent que c'est... Puisque Pape Omar Sarko doit aller à la retraite dans quelques semaines au plus tard, après avoir fait ses forfaitures et probablement avoir été bien récompensé par Macky Sall, que c'est Serigne Bassirou Gueye, l'autre catastrophe de la magistrature, qui est préposé pour le remplacer et qui va avoir la mission de valider, à côté d'Antoine Diom, le projet de troisième mandat. Ils nous trouveront en face. C'est simple comme bonjour. Il reste à Macky Sall 18 mois à la tête de ce pays. Il est dit même 16 mois. Après Sall,
Les gens doivent comprendre qu'ils rendront compte. Et ce ne sont pas des menaces, c'est des promesses fermes. Ils rendront compte des actes qu'ils ont posés. Qu'ils soient hauts fonctionnaires, qu'ils soient magistrats, tous les gens qui poseront des actes délibérément politiques qui n'ont rien à voir avec la loi auront à rendre compte des agissements qu'ils ont eus. Parce que ce qui va se passer, s'il y a débordement, c'est la responsabilité de ces 7 personnes. Et de ces 7 personnes uniquement, s'il y a débordement, demain, c'est leur responsabilité. Et si leur conscience leur permet, malgré tout, d'aller prendre leur tribunal et de prendre tranquillement, c'est qu'il ne reste rien en termes de conscience, de morale et d'humanité. Je vous remercie. Alors, les amis, oui, moi, si ça tenait qu'à moi, ça, il faut voir, on va négocier ça du côté de la régie, ça peut être notre générique. Parce que c'est un message c'est justice fait mal. Lorsque vous entendez ce message déchire le cœur. Et c'est vrai ce qu'il est en train de dire. Les magistrats, ceux qui foutent le bordel dans nos pays, les Barouina, les 7 magistrats du Conseil constitutionnel. Et sont nommés par qui? Par M. Denis Sassou. Le Sénégal, Kouna, et Ali Macky Sall ont nommé Barouina 7. Mais ils ont fait le revirement après. Bon, moi, dis-donc. Au Congo, le président de la République a le bon président de l'Assemblée. Mais le président de l'Assemblée est nommé par le président de la République. C'est lui qui demande cet interne. Naïm Sarro, je viens de vous dire ici, non? Je viens de vous dire. Lorsqu'il avait proposé à l'autre là d'être le vice-président de l'Assemblée nationale. Donc, ça veut dire que c'est lui qui les nomme. Aucun député ne peut aller à l'encontre des désirs de M. Denis Sassou Nguesso. Azate. Soko sal mon noko, yoano kolongwa. Et soko sal vraiment noko makas ok bolon koloko la yidever. Yoana, agana bolonko. Donc, c'est pour vous dire tout simplement que non, l'air à l'obation, non, le Sénat, le président du Sénat doit proposer le président de l'Assemblée. C'est lui qui propose au président du Sénat. Bon, tu envoies un tel. Oh, un tel, tu envoies un tel, tu vois ceci. Donc, c'est nommé par lui-même, Denis Sassou Nguesso, Bantouine. Et c'est à ces gens-là, nommés par lui-même, à demander que, bon, oh, non, bon, il faut peut-être, est-ce que j'ai le droit de changer la constitution? Ça va arriver. Papa Yamoun, Yake Kouma, Ben Kouwa Mouno, Onazo, le Banabino, c'est ce qui va se produire. Et il va les interroger. Bantouine, Bekendima, Obetu, tout la pause, Yanani, Abokébite, Bakou, imposer, mais ils ont même régime parlementaire. Mais ils ont tout. Ils ont la machine avec eux. Ils ont tout préparé. Bazabi, qui peut la zoa, ça, la Kouwa, Bin. Si Bazo, ça, même royaume, Bazan, Obeka, royaume, d'un car, Rombalini. Et ce sont ces gens-là. La justice est malade au Congo Brazzaville. La justice est malade. J'ai une image que je ne peux pas vous montrer. Bon, je vais vous montrer quelques secondes, Maninga. Quelques secondes. Mais mettez Katouliao, parce que c'est trop violent. C'est trop violent. Moukelaki, c'est bien une image, moi, c'est qu'à quelques minutes. Mais il y a que trop violent. Mettez quoi dans la régie? Parce que tu mets une image, il y a que trop violent. C'est trop, trop violent, Maninga. Il y a trop violent. Donc, on va mettre quelques minutes. Je sais même plus où est-ce qu'elle est, cette image-là aussi. Bon, on va prendre au pif comme ça, mais je peux vous dire, elle est trop violente, cette image. Elle est trop violente. Elle est trop, trop violente, cette image. Attendez. Elle est trop violente, cette image. Cette image... Bon. Et ça, ça s'est produit hier, là, à Kimwari. Attendez, ma chaise est en train de faire beaucoup de bruit, là. Hein? C'est quoi, ça? On va prendre une autre chaise. Ça s'est produit, Maninga, na quartier Soki Kingwari, Batinelinga, ya Kidobi. À 4h du matin, on m'a envoyé cette image. Parce que moi, dans mon balle, à Kinako, Yiba, ma planche. Bon, voilà maintenant, aujourd'hui, au Congo, où en sommes-nous? Donc, commis à la justice, et commis justice populaire. Et depuis que Togo Lobaka ni Kamwango, ni Kamwango, insécurité, depuis Kalatobando, Lobangwa, Wabwe, ma procuba, Baba Yikozabiso, Bako Yokabisouté. Mais là, c'est quoi? Ça veut dire que la faillite du système judiciaire au Congo Brazzaville, aujourd'hui, ce que vous êtes en train de voir. Et ça, comme Moniango. Mais il est où le procureur de la République au Congo Akala? Pourquoi ils ne mettent pas fin à ce système? Pourquoi aujourd'hui, il n'y a pas des mesures fermes contre Bami Yibio, Basala Kamoana et Bado Bapé la population? Attention, si vous faites ça, vous êtes exposé devant la loi. Pourquoi ils laissent faire? Et c'est parce qu'ils sont démissionnaires. Le système judiciaire au Congo est en train de faire. Il faut que vraiment, il faut que Zonza Kayao. Même qu'ils pensent que non, il y a quelqu'un qui a plaisir, il y a que Zonza. Oh non, la faculté de droit va carrière, mais ils pensent qu'il y a que nous voulons. Parce que justice, ça boit la bête. Quelle est ma défaillance? Quelle est ma faute, Ming? Ma faute, il y a bien un bout de talaka. C'est parce que ma gueule a appliqué qu'il y avait une loi. Et même, il y a qu'un loutak à la Brazzaville, la pointe noire.
partout. Et voilà, ça commence à se répandre. Et là, ils pensent que non, c'est une plaisanterie. Le peuple ne fait que copier. Et vous allez voir, ce peuple va se lever. Lorsque le peuple va se lever, va parler, Bapa Nyamoun, ben quoi bien. Lorsque le peuple va se lever et va parler, vous allez comprendre que non, le peuple a toujours raison. Et là, que ça, un jour, on va brûler quelqu'un devant le palais présidentiel ou devant la résidence de Sassou ou devant la maison de Colliné ou de Okongakala, peut-être une couleur que j'ose. Jour, va que brûler Banabeno, va que brûler Bamakango Beno Ina, ou va que brûler Bananina Beno, parce que là, Bakango, Bakendon et Babakala. Là, va que brûler Bao, ni coup de même que Tlama, n'a pas occupé tout le haut, parce que ne croyez pas que ça fait plaisir à la population de se faire justice. Alors que la justice, c'est qu'elle est. Il faut bien savoir qui ça, l'Abeno. Moi, je demande à la région de préparer mon livre, mon sukuna, concernant le droit. J'espère, je suppose, à l'Ao, livre, il y a qu'il y a droit. Livre, il y a même tala. Même à Bazoza, déjà que non, il faut, bah, quand, bah, professeur a droit, il y a déjà qu'à faire, bah, qu'à tout qu'à bas, bah, ça, à ta qui me veut. Mais ne pensez que dès qu'on a inventé que maman, dès qu'on a inventé qu'à ta qui me veut. Moi, je tala, il y a même fils qui m'a, à côté à la région kuna. Parce que lorsque je vous parle, vous avez l'impression que notre déco, bah oui, c'est un aventurier, il connaît rien. Mais vous savez, hein, moi, ça mène toujours qu'il faut toujours savoir que déco, lorsqu'il est dans cette pièce, ce n'est plus le déco que vous connaissez. Il n'y a que Veyandi. Il n'y a que Veyandi. Tout ne se dit pas, mais il n'y a que Veyandi. Dans l'air, moi, ça mène à Mamboa, non, il faut bien que Wamou, l'aime, moi, ça mène. Parce que Mamou, moi, ça mène à quelques années même après, allez, même si beaucoup foi, même quand, mambo ok réalise, ça va se réaliser. Même avant que beaucoup foi, mambo kakamba mouke vivre, ya mouke talia. Ben tala ya ouye. Ça, c'est pas Déco qui écrit ça. Ça, ce n'est pas Déco qui a écrit. Sous la direction de Pierre-Olivier Chaumet et Catherine Puigelier, il y a la disparition des professeurs de droit. Et lui, il s'interrogeait déjà à l'époque. Ben talia ouye. Donc, lorsque je ne parle pas dans le vide. Il n'y a que ma prophétie. Yahouyaï. Donc, lorsque je m'interroge, lorsque je dis à quoi ça sert la faculté des droits, nous avons la chance d'avoir un premier ministre juriste. Et qu'est-ce qu'il a fait de sa position? Qu'est-ce qu'il a fait? Oh, mais moi, je vous dis la première des choses, je vais vous dire, dès qu'on présente de la République, le premier ministre, la première des choses, la faculté des sciences qui a changé déjà. Ah oui, oui. Il y a qu'à changer. Parce que je viens de là. C'est le fruit de la faculté des sciences. Où qu'à changer, y'a. Qui m'investissement est détenu, il n'y a que vendre. La faculté des sciences. Et il y a que vendre la faculté du mérite. C'est pas comme poubelle, mais comme poubelle. Il y a que vendre des gens modèles. Pas que t'as là. Pas que là. Parce que, oui, j'ai une âme de ça. Âme, y'a ma science, il n'y a que la moune. Donc, il y a que la faculté des sciences. Ça dit qu'il y a que vendre. Il y aura une petite discrimination positive. Ça, c'est sûr. Mais l'université, il dit qu'il y a, mais univers, faculté des sciences, il y a faculté des sciences, vous voyez, les conditions, Mabnus, ça. Lui, les juristes, qu'est-ce qu'il a fait sur des textes juridiques où au Congo, personne n'est capable d'interpréter? La réforme des textes judiciaires, il y a le Congo, il y a droit, tous les jours, on patauge, tous les jours, on tourne, on se tourne les pouces, tous les jours, des mots de tête pour s'interpréter, même à Bima élémentaire, il y a, Déco? C'est Déco qui a écrit ça, la disparition des professeurs de droit, sans dit non, ben pas non. Sans dit non, les mêmes intérêts, sans dit non. Donc, ici, qu'on a la régie, tout qu'on a la passe, il y a peu. Mais de quoi t'as la citoyenne congolais qui se plaint, n'a pas même de vivre dans le Congo, Brazzaville. Les mêmes absents, ben, il y a même parfois, ben, oh non, oh Déco, bon, voilà. Ben, tout quoi, la passe, il y a peu. Yango, n'a pas l'examen, image, on est maintenant, passe, il y a peu, la régie, s'il vous plaît. Depuis ma juste mambe qui est la passe. Mais comment ben que Zeng monte courant ça me dit qu'il y a 11 000? Est-ce ben que normal? Ben que des fabeto? Bah ma diabète parfois 4 jours, 5 jours courant qui est levé. Bah ma diabète que bon là bah congélateur. Ben le fouteur. Maintenant la tour la ben monte que des beno 5 000 ben que Zeng courant à poteau. Est-ce ben que juste vraiment même ben Moussi? Hein? Oh non, ça dit que Mouka a un problème na Benou, mais Mouka na zonzi la Benou, Benou changer. Finalement, attends, Baba tu quoi niiba? Si Mouka na mbongo, Mouka niiba? Mouna si Mouka partenaire na SNE, kan e caresser, ba kumbil gana kote Benou zoya. Non, Mounou met du courage à kuzonzi le Benou. Baga tsewa na courage, Mounou met du courage à kuzonzi le Benou. Na 11 000. Na 5 000, ben quoi zeng moutou courant. Mambi metal la mesure mou ma zone. Mais monte aussi na poto quoi. Gemani sa.
Azenga. Bon, Baninga. Baninga. Permettez le même accoutrement et un pour dire que non, Azali n'a pas si. Pas si à peuple. Donc, même, bon, à vous, ma chemise, Zal, souté. Yakusou, même, Mugondo, il m'a dit, l'ouata, bête, puis, ce, bisou, toko, n'a pas Mugondo. Qui n'a pas mis le Mugondo? Ben, n'a pas ce caca, là. Le Mugondo, là. Nous, on a mis le Mugondo. Yann, il se contente, ici, avec serviette, moi, mon lélé, yamé, kouzoua, yakin, toi, yamé, kangé, apilé, bon. C'est bon. Yamé, kouka, quoi. Et voilà. Et ça, ce sont des Congolais qui sont dans un pays pétrolier. Bah, qu'il fallait, bah, vendre, bah, vivre dans la dignité. Bah, mais quatre, bah, Congolais, dignité. Et y en a un qui se plaint, dans mon, y a pétrole, y a courant, y'a qu'on a pris la zinga, qu'à n'importe comment. Au moins, on a le barnabine. Tant que de quoi, y'a eu Sarabine, oh, vous savez la meilleure solution. Ce qui vous foutit courant, vous foutit malité. Un jour, eux, ils vont s'asseoir. Et puis, l'État congolais a quoi, la solution pour le problème, là, tant que vous continuez, qu'on favorise Bango, qu'on pèse à Bango, et bah, ça, la nuance autour de Balingui. Je peux vous dire, mes amis, que ces gens-là ne changeront pas. Ils ne bougeront pas. Alors, ceux qui vont suivre la décision radicale, même que t'as là-bas qui est changé, il n'y a que des rapports de force. On ne gagne rien en utilisant les belles formules. Et comme si, maintenant, ça, pour caresser Bango. Ils n'ont pas besoin des caresses. Ils ont besoin peut-être des fouets. Ils ne battent pas les zonzak. Mais, ben, ben, ou aveya, comme tu commences à chicoter Bango, tu en as la marque à sa chicoter, mais tu as chicoter Bango à la fin. Donc, tu as Bango, avant que tu n'aies pas de bus, tu as un marque à la marque, nous sommes à la stage, tu as chaque année à zone, les gars, moi, je ne bats pas, chicote, chicote, tu as un bus, chicote, chicote, tu as un bus, tu as un marque à la fin, tu as un marque à la fin, bako fanda kuna tuku chaba ngoba toilette commune douche commune biloko nyoso toana bon batal là à l'époque là ils seront plus des responsables ils ont droit au ba prison VIP ils qu'élevé parce que ils seront des citoyens bo baba généraux tuku kitsaba ngoba première classe bo baba zananyo bwibala pour que ba na bisu tete no ba vrai responsable bako kiko sala ngoba ite non bako zaka ba citoyen lambda tuku sala ngoba l'autre côté tuku sala ba ngoba kaka ndenge kaka ba ngoba sala ka population c'est tout bon ba ngoba ko vivre moi makamwana wa donc comme le l'homme ko lalé le mais il n'y a que des rapports de force. Il faut avoir un rapport de force avec ces gens-là. Si vous n'utilisez pas le rapport de force, on va vous écraser, les amis. On va vous écraser. Il n'y a que le rapport de force qu'il faut utiliser. Là, ce bovin d'Anda, on a bino, boboï mototé, bossa nabino soulevementé, boboï nabino, bakouya au caraminoté, on ne vous dira pas, mais pourquoi, monsieur Deco, mais pourquoi vous ne payez pas le courant? Mais parce que je n'ai pas l'argent. Oh non, il faut payer. Mais je n'ai pas l'argent. Sandengo lingi. Kamata pe couronne yo kene nango. Mai, non, na refuta nga sou maite. Kamata mai na yo kene nango. Na vanda nga kandengwan. C'est na sina koufi nanga. Mais si on a koufi après, ça la ni. Yay. Ni kak fosyon menke réussi. Toke sou kon a la régie. Kakana kacha passe à peuple yay. Mouke na kisa ben menke ta la citoyen. Mais vous savez, les choses commencent à s'installer au Congo, hein. Les gens commencent à prendre conscience. Ben tout à l'heure, imaginez, ben tout à l'heure, faut savoir comment les commencer ça. La régie, s'il vous plaît. Bonjour, bonsoir, et voilà. Peu importe l'heure que vous allez recevoir cette vidéo, je vous demande pardon, pardon, pardon. Partagez cette vidéo massivement. Ce message est très très important pour la survie des vies des Congolais. Je suis Ghislain Ondele Kanga, président du Mouvement Citoyen des Consommateurs. Le Mouvement Citoyen des Consommateurs, en sigle MCC, est une structure de défense des droits fondamentaux et des intérêts socio-économiques et culturels des consommateurs en République du Congo. Alors, à travers cette vidéo, je viens vous informer que pendant le mois d'avril, le Mouvement Citoyen des Consommateurs va lancer une campagne de sensibilisation. Et cette campagne de sensibilisation a pour but d'accompagner les consommateurs victimes. Notre mission est de sensibiliser, d'éduquer, de conseiller et d'accompagner les consommateurs victimes. Il s'avère qu'actuellement, la mauvaise qualité de l'eau et de l'électricité sont considérées comme des injustices sociales dont les consommateurs congolais sont victimes. Voilà pourquoi nous demandons à tous les consommateurs de l'eau et de l'électricité
qui ont déjà été victimes. Vous avez un jour, à cause de la mauvaise qualité de l'électricité, perdu vos appareils, vos provisions. À cause de la mauvaise qualité de l'eau, perdu, tombé malade et tout. Contactez le mouvement citoyen des consommateurs avec des preuves. Au mois d'avril, des plaintes seront déposées contre ces deux sociétés. Une plainte contre la société EKRC à cause de la mauvaise qualité de l'électricité. Une autre plainte contre la société LCD à cause de la mauvaise qualité de l'eau. Ces plaintes seront accompagnées par un mouvement national de boycott, de refus de paiement des factures de ces deux sociétés. Jusqu'à nouvel ordre, les factures de la société EKRC et les factures de la société LCD ne seront pas payées jusqu'à ce que nous recevons une eau de qualité et une électricité de qualité. Alors, n'ayez pas peur, parce que la relation qui existe entre nous et ces deux sociétés se base sur un principe le plus simple. Ces sociétés ont le droit de nous fournir une électricité de qualité et nous avons le droit de payer pour cette électricité de qualité. De nous fournir une eau de qualité et nous avons le droit de payer pour cette eau de qualité. Et quand l'eau n'est plus de qualité, l'électricité n'est plus de qualité, nous avons le droit de ne pas payer. Pour plus d'informations, contactez-nous au 06 522 07 50 05 633 37 11. Merci de partager, de partager, de partager massivement. Merci beaucoup. Bon, les amis, là, ce n'est pas Déco qui parle. Là, c'est un citoyen qui vit la réalité au Congo-Brazzaville. Ben Metalayan, Christian Deleyan, Yahi, c'était Azali, comment on appelle ça? Chef d'entreprise, c'est aussi chef d'entreprise, je pense, oui. Parce que je pense qu'on l'a déjà même reçu dans le 17h dimanche. Bon, les amis, là, ce n'est pas Déco qui parle. Y'a une Déco. Est-ce que là, c'est Déco? Ça, ce n'est pas Déco. Là, Ben Metal, maintenant, là, nous avons sabéno ce que nous disons ici. Bonjour, Kamakamaruna, PTT, Malneme, Malneme, Kota, Nakatia, Mitu, et les Congolais. Oh, bah, pour moi, là, non, oui, c'est vrai, ce qu'il disait, là, c'est vrai. Il faut appliquer ça. Et lui, il a pris ça à bras le corps. Bah, le vichino, il faut passer là, au mois d'avril, boycott, il y a facture électricité, n'a pas. Ce n'est que comme ça, les amis. Et vous allez voir, lorsque cette campagne va se mettre en place, et lorsque Bisto Petosua Moto Tiangwawa, je vais demander aussi à la chaîne Ziana TV, à ça la vulgarisation, il y a campagne oui. Parce que c'est pas Déco. Et à lui décoté. Et à lui, quand on a bien le monde, on a à l'obiango. Il y a à l'obiango, à l'obi que non, bah, qu'on demande, bon, bah, ça lui a victime, bah, qu'on me laïe, bah, ça la passe, bah, vous portez plainte. Il faut porter plainte. Et bah, l'obi paye. En mesure de représailles, le mois d'avril, baké foot déjà qu'à courant la mazavé jusqu'à nouvel ordre. Il faut pas jouer à qualité à ma lame. C'est comme ça. C'est comme ça. Bon, ça va gagner, Nini. Qu'est-ce que vous avez fait à Brazzaville et Point Noir? Pourquoi Point Noir paye plus cher que Brazzaville? Ben, ils ont zaïk. Oh non, comme courant, et qu'il y a qu'à vrai bienté na Brazzaville, à Point Noir, ils n'ont pas subi des dégâts. Là-bas, il y a trop de délestage. Donc, ils vont payer moitié prix, sauf qu'il 15 000. Bon, comment on appelle ça, Point Noir, les gens sont à 30 000. C'est pas vous qui avez dit ça. On ne va pas qu'il y a un parce que, bah, délestage, c'est là qui m'a dit. Donc, c'était pas normal. Bantou Fouta, le même montant, n'a pas tout que vous soyez courant, normal. Et il savait qu'aujourd'hui, la qualité à Maïna électricité, et Zalima Namouté, et Zalima B, alors, toi, la Fouta, là, des fois, il y a l'État congolais. Parce que l'État, Fouta, quand même, on a été, pour que, bah, son habillon, quoi, bah, paie ça, bah, infrastructure, voilà, bah, rénover en gros, bah, renouveler en gros, bah, ça, là, comme ça, là, t'es. Donc, aujourd'hui, les Congolais ont décidé, bah, que Fouta, bah, au Diaka, courant V, Namaza V, Bovana Nango, Binomo Lobaka, oh Binomo Lobichino, Bolingi succès, oh non, on peut pas vivre sans électricité, on peut pas vivre sans maï. Les Bokolaka, Mozaka, Banamike, Mozaka, Naba courant na maï, na le couteau Bolobaka. Et pendant la traversée à Ninobwe, lorsqu'il y a eu la guerre là, Bovana Kasson, courant maï, et ça a beaucoup fakaté, mais c'est quoi? Donc lorsqu'on vous dit ça, et après Nabino, parce que nous, nous avons l'homme, nous avons qualité à courant bien, il y a des côtés. Moi, j'ai la qualité, il y a courant. Nanana maï, il y a bien, ouais. Donc, les alingaïté. Moi, lorsque je parle, je parle pour vous, pas pour moi. Moi, ici, il y a tout. Il y a l'eau, il y a le courant, il y a tout. Climatiseur, au fêlé, il y a l'Ibana, les alingaïté, au fêlé.
sur la forme du fenêtre, il y a un climatiseur. Il y a un fêlé. Il y a un fêlé. Donc, il y a l'été, tu n'as pas le bouquin. Il y a un point d'abino. Donc, ce qui est un point d'abino, mon corps, bon, ça va à disposition. Montrez que quand il y a un carabino, il y a un ignoté. Il y a un carabino, il y a un kingoté. Il y a un bété, il y a un bété, il y a un décidé, il y a un bété, il y a un. Alors, on va parler à mon. Avant de continuer, émission à Beto, parce que. Ah, non. Faut aller examiner, passe, il y a peuple. Au Joya, mon. Non, Beto, quoi, t'es. Beto, ça, t'es page publicitaire. Après, Beto, vous tout cas, mon la question, passe à peuple, témoignage. Il y a Congolais, ben, que quoi, y'a. La régie, c'est vous. L'opération zéro déchet plastique est de retour à Brazzaville. Brazzavillois, Brazzavilloise. À partir du 1er avril 2024, collectez tous les déchets plastiques autour de vous, chaises, bidons en plastique, chaussures et vendez-les aux équipes Elfi Environment dans nos différents points de rachat. Mungali, devant la commune, Mazala, à l'arrêt bus de Texaco, devant les toilettes publiques. Filou, à la commune, Talangaï, marché Petit Chose. Bakongo, devant les toilettes publiques et à la maison commune. Et Adjiri, à l'esplanade de la Télécombo, devant les toilettes publiques. Avec l'opération Zéro Déchet Plastique, participez activement à la lutte contre la prolifération des déchets plastiques dans notre environnement et faites-vous de l'argent. Elfi Environment, be different. Des hébergements modernes, une cuisine au menu varié, une terrasse panoramique, un espace dédié pour vos événements, afterwork, mariage, anniversaire, retraite de deuil. Le majestueux lac Tikunga à votre disposition pour la pêche à la ligne et la détente sur bateau pédalo. Bienvenue chez vous, l'hôtel du lac, le plus bel endroit de Pointe-Noire. Au nom des femmes scientifiques congolaises, je vous remercie pour vos contributions. Ensemble, nous avons déjà atteint la moitié de nos objectifs. Je vous demande encore un petit effort pour atteindre les 100%. Alors, mon Lutus, bien quand même, moi, épisode Yambela, quand même. Hein, ben, t'as Yambela, c'est cette série-là que vous retrouvez sur YouTube, Vaninga. Bon, qu'en écoutant l'épisode Yango, et ça, il y a bien, instructif. Et bon, bah, l'ungako, aider quand même, bon, bah, réaliser, série Wana, à l'épisode 15, vous avez toutes les coordonnées là, vous pouvez les contacter si vous voulez les aider, il faut encourager, bah, artistes, ou, bazo, salaka, monsala, pour l'ambo, calabuso. Donc, vous pouvez demander la régie à tout la bête, épisode Yambela. Tu as été trop cupide, trop. Oh. Même toi, tu ne me crois pas. Oh, tu es la dernière personne qui a touché ce dossier et tu es resté seul au boulot. Le chef m'a confié un dossier qui devait, dit-on, être au centre de la réunion le lendemain matin. Je suis donc resté pour le finaliser. Bien, laisse-moi manager cela. Je pense que le chef peut revenir sur sa décision. Alors, vous pouvez retrouver
et les autres épisodes Benekwen dans YouTube Benekwa pas cette fois-ci c'est le titre et il y a série na Benekwen Talkuna et épisode numéro 15 vous avez toutes les coordonnées pour vous contacter les intéressés. Wabaninga, je vais vous passer maintenant suite à passe à Pebota la Moyibi la Congo Brazzaville le vol chez nous je sais pas pourquoi on souffre je sais pas pourquoi nos dirigeants ils sont cupides comme on le dit ici. Benkou a maintenant témoignage à Mouké Youssouti Sabé Noyake Audio. Donc, tendez l'oreille, Toyoka témoignage et à Mouké Konabiso, Yazana Gabon. Donc, Azo Salaka comparatif entre Gabon, na Brazzaville, Bentala. Et comme il est soucieux, il regarde l'activité au Congo Brazzaville, à Tel Makambezo, le Congo Brazzaville, à le mais non, c'est pas normal. Na Beto a nous faut une fille qui va en Beto Kouen, n'a ben tendre oreille, Toyoka maintenant témoignage et à Mouké Konabiso. Ah, ben, fini, d'abord, il faut tout le volume, c'est normal. Bonjour, bonjour, frère Teko. Hier, j'ai suivi à la télévision congolaise par Vox TV. Il y a une image qui. Bon, c'était les informations, hein. Il y avait des informations. Avant ça, la publicité. Il y a Canal Plus à Brazzaville Kuna en disant que à partir de ma zone le 27 mars, j'ai vu ça hier, que Canal Plus va commencer à mettre un système où si tu payes forfait, bouquet yangé, il y a toutes les images parce que il y a trois bouquets. Si tu payes ça, avant que, c'est pour 30 jours en principe, avant que 30 jours à Kuma, si tu payes encore avant 30 jours, on va te donner encore sous forme d'un petit bonus des autres bouquets que tu n'as pas achetés. Or, ici, nous avons, au Gabon, nous avons trois bouquets. Il y a le premier qui coûte 5 500, le deuxième 10 500, et tout canal qui coûte 20 500. Donc, si tu payais celui de 5 000, on va te donner pour 30 jours. Tout le bouquet, c'est 30 jours. Maintenant, si avant 30 jours, tu achètes encore, on va te donner 15 jours pour le bouquet de 10 500. On va te sélectionner quelques, surtout côté football, quoi. On va te sélectionner quelques images qui étaient dans le bouquet de 10 500. Et puis, on te met ça. Pour ton projet, tu payes encore. Mais au Congo, c'est seulement hier qu'ils ont pensé mettre ça en pratique. Ça m'a étonné parce qu'ici au Gabon, ça fait pratiquement près de 5 ans ou 14 ou 4 ans, je crois, que ce système-là existe. Mais le problème qui m'a vraiment impressionné, Mounou, ici, Bametouba, que là-bas, ils vont maintenant mettre les décodeurs de Canal Plus au prix de 1000 francs CFA. Et antenne 5000, qui fait total de 15 000. Moi, je ne comprends pas. Si les hommes d'affaires congolais, dans mes côtes, dans la carte de la société, ils ajoutent des prix eux-mêmes là-bas pour que les choses soient chères. Et dès que je t'informe ici au Gabon, le décodeur coûte 1000 francs CFA, tout compris. Ça veut dire tu as l'appareil qui est décodeur, c'est pas que c'est un câble, il y a près de 10 mètres ou 10 mètres, je crois. Et puis, on a antenne Yandi. Avec l'antenne complète, tous ces accessoires-là, donc tout ce qui est accessoire, c'est 1000 francs CFA. Maintenant, le jour que tu vas acheter ça, on va t'obliger d'acheter bouquet à 10 500 francs le premier jour. Sinon, les appareils, la décodeur, tout ça, là, le complet, là, quitte in à nous, surtout, ça ne coûte que 1000 francs. Mais je ne comprends pas ce que j'ai suivi hier à Vox là-bas.
Là-bas, ils vont mettre ça maintenant en pratique. Alors, les choses là, qui disent depuis Kalakala ici, dans les autres pays francophones, maintenant, comment on a ces menaces qui vont mettre ça en pratique. Mais là encore, ils vont diviser ça. Ça veut dire que décoder la Pamba, ils te disent 1000 francs. Et oh, ils ont bien dit, on tient 5000 francs. Donc, on va même pas sur la carte, on va mettre ce bébé mine en deux prix. Il y a ce qui va coûter 1000 francs et en tête va coûter 5000. Ah, papa, du coup. Et moi, la petite Nangaye, vraiment, avant que je vais dire que la Sonia Goulab, hein? Et même membre du canal, plus sur mon frère, nous, qu'est-ce qu'on garde dedans? Hein? Ce sont ces Français-là, les enfants de Bolloré, qui font beaucoup de milliards par jour, mais sinon, on garde quoi dedans? Ce sont les mêmes images. C'est ce qui est bizarre, vraiment, maman, tu vois la bête, les gens qui gagnent 50 000, 400 francs, c'est pas qu'on a sonné vraiment, pas qu'on a pitié à peu près, vraiment. Alors qu'ici, là, ça coûte 1000 francs complets, nous, Zotina. Je précise bien, à Katia Carto, tu as les décodeurs, tu as l'antenne, tu as le câble, et puis bon, tu peux aller poser ça, mais maintenant, pour aller pour installer ça, ça, c'est toi-même qui va aller chercher. Si tu veux chercher quelqu'un qui va le faire, bon, cherche toi-même. Et tout le monde connaît déjà faire ça. Mais papa, là-bas, on a boire, parce que t'es un décodeur, prix à caca. On tient prix à caca. Alors que ça vient complet dans Katia Carton. Ça veut dire qu'il y a que ma Bible de cousin complet. Et papa, mais Zengia ou en deux. Vous avez vraiment fait quelqu'un d'ami, non, mais ils n'ont pas pitié de ce peuple-là qui souffre. Quelqu'un qui gagne 54 000 francs, il y a quelqu'un qui a décodé, il y a pour que, ils vont aller bombarder. Je suis sûr qu'il y a des gens qui sont rentrés dans cette affaire-là. Pas tout le monde a plus moi s'est élevé et comme si Baba dit même un bon gamin on a caché. Parce qu'on ne peut pas comprendre même appareils, même type de choses, même monnaie. Si le Congo et les Gabon de banane pas monnaie, on ne peut comprendre. Même réseau, même maison canal plus. Ici c'est 1000 francs, kit complet. Mais là-bas c'est 15 000 francs. Et c'est maintenant qu'ils vont mettre ça en pratique alors qu'ici au Gabon ça fait près de 5 ans. C'est eux qui devraient se lever. Ça, c'est pour parce que la télévision congolaise, en gros, le système est terminé. Ça n'existe plus. Tout le monde sont. Ils ont vendu. Tu te rends compte même la télévision nationale. Donc, il y a un français. Donc, si vous avez un souci là-bas, la France peut bloquer le système indien satellitaire. Il y a un peu qui me fait. On ne peut pas laisser quand même une chaîne nationale, il y a bois là, dans ma boue qui est étranger. C'est comme si les chaînes françaises, il y en a France 2, chaîne là-bas où il y a une formation, mais il y a qui est géré par d'autres pays. Mais si nous avons un souci, vous allez informer la population comment? Et depuis que Canal Plus me cousa que la plupart de tous ces pays-là, c'est le vrai problème, c'est cette différence-là que je t'informe, mon frère. Vraiment, on va banquer avec la carte de la banque bien. Je ne sais pas si là-bas aussi les prix que je donne, ce sont les mêmes prix. Ici, nous avons trois bouquets. Il y a un qui coûte 5 500 pour 30 jours, le deuxième 10 500 pour 30 jours. Et il y a un qui est bon, mais ceux qui payent maintenant tout canal, c'est à 20 500 francs. Mais vous avez un bon qu'on a assisté à quel prix. Mais sinon, ce que j'ai constaté, une différence, il y a kit, il y a décodeur, non, antenne. Ici, c'est vendu 1000 francs, mais là-bas, pas que tu as décodeur, 1000 francs, antenne, 5000. Ça, vraiment, j'ai trouvé ça une escroque. Son propre peuple, le peuple est un des bons, c'est pas que la je suis sûr qu'il y a la main de Guérin, PCT qui est là dedans, même où il s'en a un canal plus, parce que ça, on n'est pas pris. Vraiment, que quoi, voilà que tu en gagnes. Ok, merci. Diambe. Bon, les amis, vous qui avez des problèmes avec la vérité,
Akambalobia na zo lobaka bozo lobati la fou, il a tort. Mais donnez-moi les montants ici. Lui, il donne les bouquets là-bas, c'est 10 000 et 5 000. 10 000 et 20 500. Chez vous là-bas, vous avez des bouquets jusqu'à 40 500. Sera le bien voir aussi. Il dit ceci, que Barokuna, l'ensemble là, le bouquet là, ça dit que l'antenne plus le décodeur, c'est un package. Ça dit que la carte à carton, ou à l'agneau, surtout les anakachukuna, c'est 1 000 francs. Chez vous, c'est 5 000. Bon, vous doutez pourquoi? C'est 6 000 chez vous. Chez vous, c'est 6 000. Et elle, vous n'a qu'à rien, j'ose la vérité? Hein? Oh, bon, go, boy, aponani. Si on vous dit maintenant les choses, vous voulez pas accepter. C'est pas parce que non, et périodiquement, on peut, oh, voilà, on fait une promotion. Et là, et vous dites, non, de temps en temps, les promotions de 1000 francs. Mais pas des promotions. Vous parlez le prix, combien il coûte. C'est pour ça, que vous êtes toujours dans les détails. Montrez la personne avec de ma information. Au lieu de vous, maman, na Zozaka. Au lieu de Luka. Bon, boudé. Parce que na Gabon, Ezali, Bouépoine n'est pas la bisexualité. Bon, le baranga, la semaine est généreuse. Mais tant mieux, ce que la semaine est généreuse, Ezali. Hein? Bon, ça, la Kamo, par moment, ben, ça l'a peut-être. Au Congo, voilà. 22 500 et 40 000. Voilà. Baron Kouna, bah, Souki, na 20 000. Bon, la différence, elle est là. Qu'est-ce que vous voulez encore? Papa, regardez. Moi, là, j'ai un commentaire, là. C'est ça. Il faut apporter les éléments. Vous n'apportez pas les éléments, mais vous voulez toujours parler. Ben, il n'a pas fait, bah, éléments. Bah, éléments, ben, il n'a pas fait, mais caca, cousin, zabène, ming, ming. Voilà. Il y a l'autre, là, qui a donné les éléments, là. Il y a Pessimiso, bah, éléments, ouais. Au Congo, c'est 5 500. Ulrich Hermann a donné. Celui qui donne les montants contraires à Ulrich Anzozawa. Au Congo, c'est 5 550. 11 050. 22 050. Et 40 050. Au Gabon, c'est 5 000. 10 000 et 500. Et puis, 20 000 et 500. Bon, bon, nous, ça dit. Donc, sur ton Zuka, il y a 5 000. Ah ouais, bah, on prend 5 000. Vous êtes à 5 550. Donc, plus cher. Sur ton Zuka, il y a 10 000. Vous êtes à 11 000. Sauf que Dieu est à 20 000. Bino, vous êtes à 22 000. Vous voulez quoi encore? Et là-bas, il n'y a même pas le forfait de 40 000. Donc là, ce n'est pas bon. Hein? Là, on se voit à la base. Hein? Oh, vous là, vraiment, je ne sais pas. Mais l'indima vais samedi. Hein? Je confirme et réaffirme que c'est la même chose, sauf les frais de timbre électronique à 50 francs CFA. Non, les montants qu'on a eus là, ce n'est pas les mêmes montants. Ce n'est pas les mêmes montants. Ce que je viens d'avoir là, ce ne sont pas les mêmes montants. Voilà. Et là, je m'appelle ça, ma chiffre, il y a. Alors, 5 550, 11 050, 22 000. Alors, vous bolinguez sur une île. Donc, Nantazo Kosakamoto. Et on fait ça. Il y a un autre dénoncé. Puis, il parle de vous. Vous voulez encore bouder. Mais vous êtes quel peuple, vous aussi? Et quel peuple vous êtes? Ah, Bédia. Bon. Bédia Kouena, membre histoire. Mais attendez, j'ai une image. Là, effectivement. Bon, donc, Mouke, Bédia Kouena, histoire. Retour à l'histoire. Bédia Kouena, je vous avais demandé ceux qui ont des images ou des vidéos de nos anciens présidents de la République, Botine et l'Abisso en haut, parce que comme l'histoire du Congo est tronquée, bien, tu mettrais Van, tu mettrais Zabissia, pour que les générations futures, les Wakikwiza, Bazabaka. Nous allons repartir du côté de la régie, mettre quoi, le témoignage, Ina, Pascal Issouba, Salaka, Na, Denis Sassou Nguesso, Leva Salah, guerre à 97. Toke Yikuna, Baninga, s'il vous plaît, la régie, s'il vous plaît. Accusant Pascal Issouba de s'entendre avec l'UNITA de Jonas Savimbi, le président angolais Dos Santos apporte à son ami Denis Sassou Nguesso le renfort de son armée. L'UNITA ne pouvait pas s'allier avec l'Issouba pour que nos amis de Luanda se croisent les bras. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Mais je dois dire que cet appui, nous l'avons obtenu début octobre 97, mais la guerre avait commencé le 5 juin 97. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Ah, ça, comment? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? Et c'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, qui... Comment puis-je vous dire par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver, mais elles sont arrivées. Voilà. Voilà Pointe Noire, si vous voulez. Ici, c'est le Cabinda. Ici, c'est l'Angola. Ici, c'est le Congo. Les armes sont... n'oubliez pas que le Cabinda, l'Angola est en guerre. Les armes viennent de là. Mais elles
a des assises au Kabinda et en Angola. Elf. Donc, ces petits bateaux à lui, qui gèrent la côte pour les besoins de la cause, ils les équipent en armes, ils viennent au large de Pointe-Noire. D'où ils distribuent ces armes aux partisans de Sassou. Excusez-moi, Pointe-Noire était au Congo, donc sous votre juridiction. Mais la haute mer était sur ma juridiction. Et vous croyez que j'avais des équipements pour aller en haute mer, pour surveiller ce qui s'y passe? Est-ce que vous, au moment des hostilités... Et puis ce sont les bateaux d'elfes. Je ne vois pas pourquoi on les aurait raisonnés. Alors, une part de l'histoire, lorsque vous écoutez tout ça là, il y a quelqu'un qui a fait ça, mais tu vois, moi, ma frisson, dans les autres, on a le bien, on a le bien, Ndengenini, Mambo Vani Lutaka à l'époque. Mais à l'époque, au Binobomoni, en gros, il y a eu un peu de sa réponse, au Yobé, Ben Metala, le président de la République, il reconnaît que Nova Mbamindo qui va Katuka Kana, non, Angola. À l'Obi, Kotikuna, Angolais, va Pesaki Mindoki. Alors, et le président Pascal Issouba aussi expliquait, c'est-à-dire que la France avec Elf, Baba Kona, Tabamindo, Kona, Utakuna, Bazui, Bakoti, Siangokuna, avec les bateaux, Nabango, Bazalakana, voilà l'histoire. Nous, on ne fait que retranscrire l'histoire. Donc, on a pris même les armes pour venir tuer les Congolais. Ça, c'est ce qu'on voit là. Donc, lorsque vous mettez Idouver Mouani, le président Denis Sassou Nguesso doit être aussi écouté à la CID là-bas. À la CID. Beaucoup nous ont appelé le président de la République. Il doit être écouté aussi à la CID. Moi, qu'est-ce qu'on va faire? On va voir ce qu'on a fait. Betre Manissa et M. Abeto Boubouyaï avec les promesses d'Anatole Kouliné Makosso pour qu'un Zaba Bante Mesimane vienne membre à mes 11. Donc, Bakosé Lakaye, Bato et Babimi à l'école, Yemoka Saki promesse en haut. Donc, Anatole Kouliné Makosso, mais ça promesse Yahi, Bante, une mécatrice dans l'école de formation, Bakena Kouvinglangé. Donc, Betrouwa, Fosso, Anatole Kouliné Makosso, mes 11. A fourni des éclairages sur le processus de recrutement de 100 000 jeunes. Dans tous les secteurs, on a dit nous allons donner 100 000 emplois décents aux jeunes. On va les donner. On a dit on a 10 000 emplois publics. On va les créer. Et on a déjà commencé à prendre une décision, à faire en sorte que dès maintenant, on puisse réussir à intégrer tous ceux qui sont sortis des écoles de formation. La grande révolution d'Anatole Kouliné Makosso. On a déjà pris la décision. Donc, ils ont pris, une décision. Anatole, vous avez quoi? Oh! Et là, il dit, il y a 10 000 places à public. Et là, quand il y a 10 000 places à public, ils vont intégrer les ceux qui sont sortis de l'école de formation. Vous voyez, lorsqu'on vous dit ces gens-là, ils n'ont même pas de statistiques. Alors que les statistiques en possession de la matinale, ils sont pratiquement 30 000 en attente. 30 000 en attente. Qui tu vas prendre, qui tu ne vas pas prendre. 30 000. Et c'est pour ça que l'équation sera aussi difficile. Vous voyez, ils s'avancent sur les choses, je ne sais même pas. Là, on va prendre tout. Et c'est ce qu'il a dit. Mais tout, Wadiak. Parce que moi, j'aime... Le ministre, dans ses réponses, a fourni des éclairages sur le processus de recrutement de 100 000 jeunes. Dans tous les secteurs, on a dit nous allons donner 100 000 emplois décents aux jeunes. On va les donner. On a dit on a 10 000 emplois publics. On va les créer. Et on a déjà commencé à prendre une décision, à faire en sorte que dès maintenant, on puisse réussir à intégrer tous ceux qui sont sortis des écoles de formation. Tous ceux qui sont sortis de l'école de formation, ils sont 30 000, toi 10 000. C'est-à-dire que les mathématiques, il y a qui m'a caca. Mathématiques, c'est autre chose. Donc, lorsqu'on utilise les mathématiques utilisent le français. Tous ceux qui sont sortis, tu n'as pas dit quelques éléments ou quelques messieurs ou dames qui sont sortis. Tu as dit tous ceux qui sont. Bon, je ne sais pas si François Benkoumé est trop gros, le bête que vous comprenez avec, et que tu voulais dire par là, et que vous avez déjà commencé à prendre la décision dans la forme, la décision. C'est-à-dire que
En tout cas, moi, j'ai le message à Anatole Colonel Makosso. Bantu yina, mes amis, sa pilia, y kenge, mes sal promesse, en gros, y fonge sa la ya, ou ni yin bakana ou vingilaka. Ni yin me rappelé nge, donc, babakana ou vingilaka. Emploi jeune nge, mes onza, ceux qui sont sortis, comment on appelle ça, les écoles de formation, bazo, zelaka yo, ou embauché bango, bako zelaka kak. Menga na yebi nombre ya 30 000, ou rosa la nenge nini, équation compliquée, na kanisi. Alors, Baninga, nous avons aussi, il faut que nous parlions d'une situation. Ma zone, mette Zosa Mambouya, ministère du Commerce. Attendez, je vais d'abord aller à la régie, mettre un bac à vidéo. Moi, c'est bien Italia, je vous ai dit que au niveau de. Attendez, les amis. Attendez, on va prendre du côté de la régie, mettre un côté à la régie. Donnez-moi 2 secondes. Mettez un bac à côté, indiquer les. Président Betuyai Betuena. Les amis, on va prendre Télé Congo, mais basi si Beto, image Mossi, Awa, Bete, Filakis Beniao. Donc, on a Xabino Ango. Oyo Kango, bien mon combo Tala, et puis après, on va du débat de ça, les amis. Parce que moi, j'aime toujours. Voilà, parce que nous avons parlé, Mambouina, il y a Syrian Bakaka, le contrôle, il fallait un sale contrôle, puisque il y a un mis ça qui circulaire, Wana. Donc, Beto, que demandé, na Anatole Koliné Makosso, na ma ministre, il y a dit, ta la Mambouina, Koussala, kana boire, ya ou ya. Je vais demander à la région, tout la Beto, élément, ya y, pour que Beto n'y pas congolais, Beto, ta la ya. La régie, s'il vous plaît. Au terme du délai accordé aux commerçants pour se mettre en conformité avec la loi par rapport à la circulaire du ministre en charge du commerce interdisant le commerce à l'étalage des ressortissants étrangers, Philippe Ntsonde Mondi, directeur général de la concurrence et de la répression des fraudes commerciales, a animé ce matin un point de presse au cours duquel il a procédé au lancement des contrôles des commerçants étrangers exerçant en République du Congo. On fait le point avec Yves Richard Tombé. S'adressant aux directeurs centraux, départementaux et chefs de service, le directeur général de la concurrence et de la répression des fraudes commerciales a martelé sur l'exercice du commerce qui exige le respect de la loi. L'action de contrôle que nous allons entreprendre, ce n'est pas une chasse aux étrangers que nous allons faire. C'est plutôt un rappel à l'ordre qui permet de redresser sur des bases légales. Les investisseurs étrangers qui souhaitent exercer dans ces secteurs peuvent se constituer ou se transformer en sociétés de droit congolais en ouvrant leur capital aux nationaux. Au contrôleur, le DG leur demande la politesse et l'application de la loi. Je vous invite à être des procéduriers. Vous avez l'obligation de veiller au respect de la loi par les commerçants, notamment sur les activités réservées aux nationaux, en restant poli, courtois, respectueux, rigoureux et ferme. À cet effet, je vous invite à remplir les fiches de renseignement mises à votre disposition, à dresser des procès-verbaux de constatation d'infraction, le cas échéant, et à transmettre ces supports à la hiérarchie pour les sanctions éventuelles. Philippe Tondé-Mondier exhorte les commerçants de réserver un bon accueil aux contrôleurs commerciaux et de mettre à leur disposition des informations facilitant leur travail. Dans la suite du journal, plus de 100 personnes issues des comités de paix et justice. Bon. Baninga, ça dit que le Congo peut s'amoquer, quoi. Une note circulaire qui a été signée le 19 février. Ils ont attendu que la matinale Zosia ou. Et bien, maintenant, on va commencer ça, maintenant, réunion, là, la réunion. Pour dire au contrôleur, bon, on va vous donner des fiches, allez maintenant sur le terrain, alors que la mesure a pris fin depuis le 25, Kimba Zonzak. Donc, là, même pas. Et puis, lorsqu'il parle timidement, il a même peur de ces étrangers qui sont en infraction. Ils sont en infraction! Ils sont en infraction puisque la législation existe. Il y a quel événement, sinon, tu as pris une nouvelle mesure. Tu n'as pas dit que là, à partir d'aujourd'hui, toutes les parcelles devaient être peintes en blanc. Tu n'as pas dit ça. Et après, on est qui n'a pas dit que bon, madame, monsieur Intel, bon, d'accord, on a bino, sikoyo, bon, tiaro, peinture, y a pembe. Parce qu'il y a ma disposition à Sika. Ah non!
Ezali ba no wakatino na quartier OCH ba mur nyo so tourné il faut aller à pembe ba misus ba tiba couleur à rouge à moyindo donc yo so ok kuna a déjà dans infraction o ko sa la gentillesse à Nine o comment ko caresser ya Nine ils sont en infraction déjà ils sont en infraction puisque la loi existe. La loi existe. Bato wana ba respecter que loi na bisoté. O pense ba ngondere jusqu'au 27. Yange ko sa dia kiki son civilisation yik. La loi existe, oui ou non? La loi existe 2005. Elle existait depuis tard. Alors, toi, tu constates qu'il y a que Fossoïna. Toi, tu devais seulement aller constater et sanctionner. Et nous, on ça maintenant. Oh non, quelqu'un prévenir, bah ou, bah ça, le pilier. Mais non, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Et pour des éventuelles sanctions, quelle éventuelle sanction? Celui qui a une infraction doit être sanctionné. Là, normalement, parce que déjà une infraction, il n'y a pas encore à chercher. Ben, quoi, négocier, ou à Fossoïna, même quoi, négocier, quel est oh, gentil, gentil, aïe. Les gens qui sont en infraction, depuis combien d'années? Bah, yibi l'État. Bah, yibi l'État. Bah, moi, il faut pas qu'il est bon, quand même. Bah, yibi l'État. Parce que, bah, qu'il a droité, bah, exercé. Parce que les textes existent depuis longtemps. Et ils se sont pas conformés aux textes de la République. Au niveau de l'Argentine, bah, repoigné. Ce qu'est Zaki Bissot. Ton couti foutu courant, t'es un jour au caca, elle est qui? Un jour. Bon, yibo kati courant. Bon, kati courant, un jour au caca. Un seul jour. Un jour. Un jour au caca, bokati courant, maï bokata, dene kabinoma bolingi, bangoana, ça fait beaucoup d'années, 10 ans, et koki même, bah ça là, et côté, ils ont fraudé, ils trichent, et puis vous voyez bien, et là, pour prendre une décision, vous voulez aller les caresser, caresser en quoi? Oh! Même on devait être même brutaux, c'est-à-dire, moi, même, vous soyez même un militaire, bah, yik, même pas, même quoi, même quoi, le kang, bah, on est fonctionné avec vente, vous allez les caresser, pourquoi? Vous voyez? Bah, moi, encore, ils ont peur, dès qu'on parle des étrangers là, ils ont peur. Par contre, obtient ma solution, oh, il faut faire ceci, des trucs comme ça. Ce sont des infractions. On peut même plus. Bah oui, là, il faut ma boutique à ma carrière. Parce que la loi existait. C'est pas qu'il y ait une loi qui vient d'être prise. Non. La loi existait. C'est un rappel. Comme ils sont des infractions, bah, kangi, bah, mou. Bah, kangi, ils n'ont plus le droit d'exercer dans notre pays. Ils n'ont plus le droit. Il n'y a pas que non, va se transformer, bah, faut la capitale, la bango, à un congolais, on sait comment ça se passe. On ne veut pas de ça. Ils sont des infractions, doivent être punis. C'est comme ça. Maintenant, vous aurez faussé le Congo que ça l'aïa. Ça dit que vous savez au Congo, non? Je vais vous lire un arrêté. Arrêté, y'a, et mouketari, ben, y'a, vous avez si la régie qui est arrêté. Attendez, 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 les hommes. Eh oui, la régie qui est arrêté. L'arrêté, y'a, il y a 2021, le 19 octobre 2021, est un décret de président de la République. Écoutez, 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 écoutez. Décret numéro 200/524 du 19 octobre 2001. Portant interdiction d'importation de certains produits alimentaires d'origine animale. Le président de la République, vu l'acte fondamental, puisqu'il n'y avait pas de constitution, l'acte fondamental là-bas, oui. Et vu l'ensemble des décrets numéro 99/1 du 12 janvier 1999 et 2021/219 du 8 mai 2001 portant nomination des membres du gouvernement en conseil des ministres, décrète article 1er, sont interdits d'importation des produits alimentaires d'origine animale ci après. La viande ou le poisson de vieille congélation. Les croupions de dinde. La viande à forte proportion de gras, notamment les capas. Les côtelettes rasées et épluchées. Les œufs de table portés dans des containers non réfrigérés. Les pâtes de poulet. Article 2. Les produits importés en violation des dispositions du présent décret sont saisi par l'un des services compétents des ministères chargés de l'agriculture, de la santé, du commerce, de l'environnement et de l'intérieur, détruit par une commission composée des représentants des ministères chargés de l'agriculture, de la santé, du commerce, de l'environnement et de l'intérieur. Tout contrevenant aux dispositions du présent décret sera puni les peines prévues notamment par la loi numéro 17/67 du 30 novembre 1967. Article 4, le présent décret sera enregistré, inséré au journal officiel et communiqué partout où besoin sera. Fait à Brazzaville, le 19 octobre 2001, Denis Sassou Nguesso, président de la République, le ministère de l'Agriculture, Yadabena Koutala, Auguste Célestin Gangarankwa, le ministre du Commerce, des approvisionnements des petites et moyennes entreprises chargées d'artisanat, Pierre Damé Boussoukoumbumba Baouyaï. Le garde des Sceaux, Jean-Martin Bemba. Baouyaï va signer que Moukane en 2001. Tibo Lobanangaï, Makambo Banobia. Est-ce que vous croyez que mon collègue, Lélo, et vous voyez que Mabouyaï va appliquer qu'il y a. Et les produits qui sont interdits.
Donc, je quand même les croupions. Mais le boclam a soko à dende. Il y a dendon. C'est ça, non? Les croupions de dende. Alors, sont interdits. Bah, qu'on sait, la viande ou le poisson de vieille congélation. Comment ils vérifient ça? Les produits qui sont périmés, la belle que t'as là, que contact. Les croupions de dende interdits. Bah, le loco de saroté. Et quand t'as gagné, et quand t'as na yorokuna. Bah, bah, zaïwana, bah, quand t'as sakango. Bah, les sakarona, zelakuna. Et quand vous partez sur les marchés, là-bas, bah, ça, comment on appelle ça? Les grillades là, vous les trouvez, ça coûte combien? Mon corps, 2500 talons pour la mine, parce que la salle à mort arrêtée, alors que ici c'est interdit. Donc si tu veux commander ça, tu peux pas commander. Mais ça rentre par les pays voisins. Et c'est la même dans Gabon, Cameroun, et puis dans, au port de Yoro là-bas, les voir. Et quand t'as Kuna, bateau, c'est interdit, non? Ouais, bah, service à vous. Dans la boutique à caca, le Congo là, vous allez donner des gens des vertiges ici là, ma maladie, à part, mais des pèses et tout. Mais des coups, fois, comme ça, m'amène. Baninga, la matinée, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end. Baninga, profitez bien du week-end que nous avons. Lundi, il n'y a pas la matinée. Lundi, il n'y a pas la matinale, c'est le lundi de Pâques. Pourquoi même le Gouavi? Lundi, il n'y a pas la matinale, c'est un jour férié. Le comte de Courbevoie aussi va profiter de sa petite famille. Donc, Bétre Kouta la caca mardi, le 2 avril. Lundi de Pâques, là, il n'y a pas de matinale. Lundi de Pâques, il n'y a pas de matinale. Bétre Kouta la caca le 2. Quoique au Congo Brazzaville, vous voyez avec l'idiotie, il y a Bois la Beto, le 1er avril, c'est la reprise de l'école à l'école de Korokuna. Mais je crois on a le texte, je ne sais pas si au niveau de la régie, Balenda tout le texte en voit à Belgeta là, le français Moutou Gouzouak à la reprise de cours le 1er avril. Et j'espère qu'au niveau de la régie, je peux vous retrouver ce papier-là sous PDF. Il y a Kekuna, c'est Alena Tulbetawa, pour que Mental. La Binokuna a repris des cours, par le 8 le 1er avril, alors qu'il y a Ferré. Vous voyez bien ces gens-là, ils signent des documents, ils ne savent même pas ce qu'ils écrivent. Parce que Tanga Bavé, c'est pour ça que je vous dis, ces gens-là, ce sont des incompétents. Bah, yaou yaou, notamment yaou yaou, Mental yaou. Bota la note, signée par Moutou le français, yaou yaou, note de service. Moutou le français a pris cette note-là, il signe. Benatalaka, yaou yaou. Période, le calendrier de l'année scolaire 2023-2020, fixé comme suit. Premier trimestre, période, Valena Monté, voilà, yaou yaï. Benatala maintenant, yaï. Le 2 janvier, troisième trimestre, yaou yaï. Reprise des cours le lundi 1er avril, le lundi 1er avril 2024. Mais c'est férié, Moutou le français. C'est férié, banana maïe la nera kaka. Nera kaka, nera kaka, même que ba incompétent, ba zoba, au nom de quoi il insulte. Mais c'est ça? C'est ça? Vous voyez vous-même, ils lisent même pas, ils savent même pas ce qu'ils écrivent là. Le 28, il y a Babé Tsonika, le 28 août 2023. Jean-Luc Moutou. Botani, aïe, attends, et l'autre, comment côté? Ce sont ces gens-là qui ne réfléchissent même pas, qui lisent même pas leurs textes. Donc, bisous lundi, hein, on n'est pas là. En France, c'est férié. Le camp de Courbevoie est en vacances. Un jour. Mettez vous tout cas, le 2. Ben, ouah, le 2. Et n'oubliez pas, dans deux semaines, ce sont les vacances de Pâques. Le camp de Courbevoie prend une semaine de vacances. Il faut mettre Zabaya. Il y a mettre raté veillant. Donc, Baninga, la matinée, il me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end. On se retrouve mardi. Lundi, ne m'appelez pas. Lundi, ne m'appelez pas. Demain, ben, Bokil Mounoufé. Dimanche, ben, Bokil Mounoufé. Ben, Big Mounou Pema. Demain, Botika Rana Pema. Dimanche, Botika Rana Pema. Lundi, Botika Rana Pema. Et monsieur Zalité, na Pema, nani, pardon. On va reprendre les hostilités mardi, Baninga. Voilà, on a repéré, Manani, parce que nous autres pays, on a besoin de paiement. Après l'être aux Orana, dans deux semaines, il y a que 20 vacances à Pâques, Mouke Baka toujours une semaine, comme toujours, Bete, s'accorder qu'il y a vacances à Pâques. Faut se kaka yake Vandiki, Baninga. Donc, je vous souhaite un très long week-end, un bon week-end. On se retrouve mardi, les amis. La matinale, c'est du lundi au vendredi, 7h de Paris, les amis. N'ayez pas peur, que Dieu bénisse le Congo. Allez, ciao, générique. Quand on veut être responsable, il faut avoir la politique du résultat. 2 ans ministre, 3 ans, quel est le résultat? 0 Mokati. La veine de la paix est bousillée, la veine de la paix. Croisez-moi la veine de la paix, rue Lénine, bousillée, on ne peut plus passer. Tu n'arrives pas à le bilan, Mokodjo, parce que la mission l'a mis la Kienangaï. Il faut aussi avoir cette culture que je n'ai pas pu, j'ai échoué. Je vous le dis, dans tous les domaines, ça ne marche pas, la sécurité. Les poubelles qui ne sont pas ramassées, les routes cassées. Mais c'est vous qui perdez 12 millions dans un pays où les gens vivent dans la pauvreté. Les gars sont pourris. Un train passe avec des touristes, il va s'arrêter à la gare de l'UTT. Mais ça ressemble à une poubelle. Il y a des moments où voilà, on ne peut même plus défendre, c'est impossible. Il faut la gare de l'UTT. Parce qu'il y a des moments où tu ne peux même pas commencer. Tu as commencé par où? Il faut la gare de l'UTT. Sinon, c'est une honte.